do it again and again and again. There's no reason to doubt God can do it again. Oh, yesterday and the day before, He is always the same. There's no reason to doubt God can do it again and again and again. There's no reason to doubt God can do it again. Yesterday and the day before, He is always. Well, there's no reason my God can do it. Well, my God can do it again and again and again. There's no reason to doubt God can do it. Glory! Oh, yesterday. Well, He is always. Oh, there's no reason my God can do. Well, God can do it again and again and again. Oh, there's no reason to doubt God can do it again. Oh, yesterday, He is always. There's no, sounds good. One more time. God can do it. Oh, yesterday and the day before, He is always. Oh, there's no reason. Can't stop. God can do. You believe that? My God can do it again and again. There's no reason to doubt God can do. Oh, yesterday is always. There's no reason to doubt God can do it again. Oh, blessed be the name of the Lord. Let's give God praise. Glory and praise to the multitude that kept me there.
are gone over me. May the Lord add a blessing to the reading of the word. Let us go to him in prayer. Each one praying. Welcome to his presence. Almighty God, as we come before you, Lord, have mercy on us. Lord, how grateful we are to be able to have one more faith, to be able to lift you up in praise and thanksgiving. And Father, Lord, we are as, Lord, as you are worthy, Father. Lord, that by your grace and your mercy, you have made us worthy through your Son, Jesus Christ. So, Father, we come to see you with open hearts, looking unto you, asking that you would take complete control of this service. May you come upon the musicians, upon the people, Lord, upon the sound technicians. May you flood this entire room, for the hotel in at large, with your such a presence, Lord, that when we walk these halls, Father, we would speak to those halls, Lord. Lord, how we know, Father, we hit the third pull, it's angel. We believe, Lord, with all our heart that we're in this adoption season. Lord, we're in the season, Lord, where you will make yourself manifest in the doors of God, Father. Hallelujah. So, Father, receive of our thanksgiving this evening. And we'll be careful always to give you the praise, honor, and glory due to your name, Father. Lord, for you and you alone are worthy to be praised. From the rising of the sun to the going down of the sun, your name is to be praised. In the good times, we praise you. We praise you. When we're down in the valley, we praise you. When we're up on the mountaintop, we praise you. In all things, we praise your wonderful name. Have your way with us this evening. We ask these things in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Why don't you turn around and greet your brother and sister? Tell them how much you love them. Hallelujah. Hosanna.
to be filled. We know we're going to be refilled. We know there's going to be deliverances. We know there's going to be, hallelujah, healing. Hallelujah, glory to God. Be seated a moment. Apporter des salutations. Je veux remercier Frère Caleb, Sœur Salomé et pour l'Église de m'avoir invité ici. C'est un véritable honneur et un privilège d'être ensemble avec nos frères et sœurs qui ont cette précieuse foi. Amen. Donc, je vous apporte la salutation de ma précieuse épouse, Sœur Loïs. Elle voulait véritablement être là, mais il y a eu un souci avec son passeport. Mais elle est connectée. Salut, chérie. Et aussi, j'apporte les salutations de la part de frères et sœurs Bellomo et l'église chrétienne, l'assemblée chrétienne Omega, toute l'église qui prie pour ces réunions. Amen. Amen. Praise God. Gloire you à may, Dieu. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. So we're really under expectation. Donc nous sommes véritablement dans l'expectative. And what can we say about this morning's message? Et que pouvons-nous dire du message de ce matin? Brother Caleb, I know he's leaving. Frère Caleb, je vois qu'il s'en va. My God, from grace to perfection. Oh là là, de la grâce vers la perfection. And that's where we're going. Et c'est là où nous allons. Amen. Not grace, grace. Pas grâce, grâce seulement. Joseph perfection. Mais Joseph perfection. Seven live voices. Sept voix anointed vivantes, ointes par la charité. Alléluia. Qui vont produire la venue du Seigneur. Amen. Amen. So God bless you, brother Caleb. Ainsi que le Seigneur te bénisse, frère Caleb. And God bless you to the ministering brethren that are here. Et tous les prédicateurs qui sont aussi ici. Brother Jeannot. Frère Jeannot. Brother Justin. Frère Justin. Brother Didier. Frère Didier, I see Brother Didier's family. God bless you. Je vois la famille du frère Didier, frère Stéphanus, and anyone else who is on their way coming. Et tous ceux aussi qui sont en chemin. We're just so happy to be here. Nous sommes vraiment heureux d'être ici. Amen. I didn't include Brother Jonathan because he has his own greeting he's going to give. Je n'ai pas inclus frère Jonathan parce qu'il va lui-même donner ses salutations. But I will say this about Brother Jonathan and myself. Mais j'aimerais dire ceci au sujet de frère Jonathan et moi-même. So you heard Brother Coleman. Vous avez entendu frère Coleman when he would talk about him and Brother Hunt, lorsqu'il parlait de lui et frère Hunt. And he would say, when you see me, et il disait, lorsque vous me voyez, you see Brother Hunt. Vous voyez frère Hunt. And that's the way I feel about me and Brother Jonathan. Et c'est comme ça que je me sens au sujet de frère Jonathan. When you see Brother Jonathan, lorsque vous voyez frère you Jonathan, see me. Vous me voyez. When you see me, lorsque vous me voyez, you see Brother Jonathan. Vous voyez frère Jonathan. Amen. Amen. So, amen. As we continue on with the service, alors que nous continuons le service, I'll ask the brothers come forward for the offering. À moins que les frères s'avancent pour les offrandes, as you stand to your feet, levons-nous. Just waiting for the brothers to come. Attendons les frères. Feels good in here this evening. On se sent bien ici ce soir. Amen. He said, where two or three are gathered in my name, lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, there I will be. Et c'est là où nous sommes. So we know he's here. Mais nous savons qu'il est ici. Every head bowed, every eye closed. Chaque tête baissée, chaque œil fermé. So we ask God's blessings upon the offering. Et nous demandons la bénédiction de Dieu sur les offrandes.
Notre Père Céleste, Lord, may you bless this offering. Seigneur, puisses-tu bénir ces offrandes. Use it for the furtherance of thy kingdom. Utilise-les pour l'avancement de ton royaume. Bless those that can give. Bénis ceux qui peuvent donner. And bless those that cannot give, Lord. Et bénis ceux qui ne peuvent pas. And may you give the increase. Et donne l'accroissement. In whatever is given, Father. À tout ce qui sera donné. We ask these things in Jesus' name. Nous demandons ces choses. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. 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 Sing that my heart sings. J'entends ce chant, mon cœur chante. I love this little chorus. J'aime ce petit cœur. You think about when you're in prayer. Quand vous pensez, quand vous êtes en prière, and you're seeking something from God. Et que vous cherchez quelque chose de Dieu, and there's sometimes where you run out of words. Et parfois il nous manque des mots. Les mots nous manquent. And you begin to groan in the spirit. Et vous commencez à gémir dans l'esprit. And you just begin to, whatever comes out. Et tout ce qui sort, sort. It's a groan, it's a painful et desire. C'est un soupir, c'est un gémissement, une douleur. And that's how I feel this evening. Et c'est comme ça que je me sens ce soir. I'm looking for a refilling. Je m'attends à un réemplissage. How many are looking for the Holy Ghost? Combien s'attendent au Saint-Esprit? How many have not received the Holy Ghost yet? Combien n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et le cherchent ce soir? God has something for everyone. Dieu a quelque chose pour chacun. We're promised not just one filling. Il ne nous a pas promis juste un remplissage, mais réemplissage après réemplissage après réemplissage, jusqu'à ce que nous arrivions à son image. Donc levez simplement votre main, fermez vos yeux et parlez à votre Père Céleste. Ce petit cœur est très simple. Fermez vos yeux. La musique le joue. Adorez-le simplement. Créez une atmosphère autour de vous. Individuellement. Oubliez toutes choses. C'est juste vous et Dieu. Juste vous et votre Sauveur. Adorez-le. C'est cela. Élevez-le. Élevez votre voix. Élevez vos cœurs. Portes éternelles. Laissez le roi de gloire entrer dans votre âme.
Frère Johnny, Colum Brenner, si tu veux t'avancer, alors que vous continuez à l'adorer, tout peut arriver. Ça ne doit pas être à la fin du service uniquement. Dieu peut vous remplir maintenant. Vous le croyez? Le croyez-vous? Le recevez-vous? Frère Johnny. Oh, alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Just stay right there. Stay right there. Restez là. As Brother Johnny is going to sing for us. Alors que Frère Johnny va chanter pour nous. Make us one. Fais de nous un. Make us one, make us one, make us one, undivided body, make us one, make us one, for the sake of thy name. Make us one, and make us love, make us love, make us love, so the world may know we love you. Make us love one another, make us love, so the world may know we love one another. Make us pure, make us pure, make us pure, righteous. Make us pure for the sake of thy name. Make us pure. Make us one, Father God. Make us one. Make us one, undivided body. Lord, make us one, make us one, make us one, for the sake of thy name. Make us one, for the sake of thy name. Make us one, for the sake of thy name.
Amen, amen. Amen, amen. Thank you, Brother Johnny. Merci, Frère Johnny. What a beautiful song. Quel merveilleux cantique. Amen. Amen. Make us one. Unis-nous, Seigneur. Amen. Let's sing that chorus. Father, make us one. Chantons ce cantique, ce chant. As the ECA choir comes forward. Alors que la chorale de ECA se prépare. Father, make us one. Oh, my Father, make us one. Oh, that the world may know Thou hast sent Thy Son. Oh, my Father, make us one. Oh, my Father, make us one. Oh, that the world that Thou hast sent Thy Son, oh Father, make us one. We'll sing it again. Encore une fois. Oh Father, make us one. Donnons-lui une acclamation. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Amen. The title of the song. Le titre du chant. Take up your cross. Prends ta croix. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Is it working out the sound? No musicians, just the people. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Oh, hallelujah.
the earth, we say thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Think we're ready? Amen. Praise the Lord. So take up your cross. Amen. Amen. Let's just worship him as the group sings. Thank you.
Et l'église dit Amen. Amen. There's not going to be many. Amen. Il n'y en aura pas beaucoup qui prendront leur croix. Amen. Amen. Mais je suis heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Amen. Je suis fier de prendre ma croix et suivre Jésus. Amen. Avez-vous apprécié la chorale? Amen. Appréciez-vous tous ces jeunes gens? Ces jeunes musiciens. Appréciez-vous ces jeunes frères? Amen. Alors que nous faisons la transition maintenant vers la parole, alors que le frère Caleb se prépare à avancer, à venir, partout dans le monde, l'Esprit agit. Vous le croyez? Tournez-vous et saluez votre frère, votre sœur. Je crois que vous êtes en feu ce soir. Je crois que vous faites partie du réveil. Alors que le service de chant continue, nous avons pu sentir le Saint-Esprit agir. Et je sais que l'expectative monte. Et elle monte. Elle monte. Elle monte plus haut. Elle monte encore plus haut. Jusqu'à l'enlèvement. Amen. Appréciez-vous, frère Joël. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. My. Mon Dieu. And like the prophet said. J'apprécie, le prophète dit. The prophet don't bring the revival. Le prophète n'amène pas le réveil. The pastor don't pack the revival. Le pasteur n'amène pas le réveil plutôt. The song leader don't bring no revival. Le conducteur de chant n'amène pas le réveil. But the people. Mais le peuple. The people. Le peuple. They bring the revival. Ils amènent le réveil. Amen. Amen. So what you put into the service, alors que vous entrez dans le service, is what you're going to get tonight. Ce que vous mettez dans le service, c'est ce que vous allez recevoir ce soir. Et maintenant, Père, toute cette prière, let the fire, que le feu, charity fire, que le feu de la charité, charity fire, le feu de la charité, let it fall tonight. Qu'il tombe ce soir. Is that the way you feel? Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez? Amen. And amen, amen. This evening, ce soir, it's a great honor. C'est un grand honneur to have our precious brother Didier Rakotomi, avoir notre précieux frère Didier Rakotomi, all the way from Paris and Madagascar, Paris et Madagascar,
You appreciate Brother DDA? Appreciez-vous, Brother DDA? Amen and amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Just a few words and quelques paroles. I'll tell you how it all began. Amen, Brother DDA was he saw the invitations of the meeting. Je vous dirai comment ça a commencé. Frère Didier a reçu l'invitation pour les réunions. So he messaged the brother. Ainsi. Requesting for my number. Et il a envoyé un message à un frère pour demander mon numéro. That was Brother Gabriel, and he gave him my number, and he began to message me straight away. C'était Frère Gabriel, et donc lui a passé mon numéro et il m'a envoyé un message tout de suite après. And he told me that what would it cost to be in the meetings? Et il m'a dit combien ça coûte pour venir aux réunions. And I told him, Brother Didier. Et je lui ai dit, Frère Didier, you need to get a visa. Tu as besoin d'un visa. But little did I know mais ce que je ne savais pas, that Brother Didier was in Paris. C'est que Frère Didier était à Paris. So he told me, donc il m'a dit, I'm coming tomorrow morning. Je viens demain matin. And here is Brother Didier, this is today. Et il est ici aujourd'hui, ce soir. Wow, what a faith. Quelle foi. Amen, a super Amen. Faith. Une super foi. And the Lord put it on his heart. Et le Seigneur a mis sur son cœur. To be in fellowship. D'être en communion. Amen. With fellow believers of like precious faith. Avec les croyants, les compagnons de la précieuse foi. And I know that this evening. Et je sais que ce soir. Brother Didier is going to bring in a few greetings. Frère Didier va apporter quelques salutations. Amen. It Amen. Amen. The greatest message. Le plus grand message. That was ever preached. Qui a été jamais prêché. Was not a 5-hour message. N'était pas un message de 5 heures. Was not even a 2-hour message. Ni un message de 2 heures. Amen. But it was a short message. C'était un court message. My God. Oh là là. Amen. It didn't take much long. Ça n'a pas besoin and the Holy Spirit swept out in the upper room. De durée et le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. So I know tonight. Ainsi je sais que ce soir. The dynamics. La dynamique. Is ready to break forth. Prête à éclater. Amen. Amen. By the time Brother Jonathan comes behind. Et lorsque Frère Jonathan viendra derrière. This room will be packed out. Ce lieu sera complètement renversé. Amen. So let's welcome Brother Didier Rakotobe. Ainsi, invitons, accueillons Frère Didier Rakotobe. All over the world, the Spirit is moving. Partout dans le monde, le Saint-Esprit we love and appreciate you, Brother Didier. Nous t'aimons et t'apprécions, Frère Didier. Oh, and no. All over the world. Oh, that Spirit. God bless you, brother. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the coming of the Lord. As the water covers the sea one more. All over the world, hallelujah. The Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, it's a mighty revelation of the coming of Allah. As a water, oh, one more time. Oh, all over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, it's a mighty revelation of the coming of Allah, as the water cover the sea. Hallelujah. Praise God, amen, amen. Hallelujah. Amen. You speak in English or French, brother? Hallelujah. I don't know if I have to speak in English or switch in French, but I feel to speak in tongue tonight. Hallelujah. Why? Because the heaven is on the earth today, friend. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Oh, I feel anointed. Do you know why? Not because of me, because of him. His son, because of those musicians, because of you. Hallelujah. You are not did the meeting. So continue to press on. Continue to anoint the meeting. You are the revival. Hallelujah. I believe you are in England today. And you all of you know about this little story Brother Branham spoke about. Amen. Amen. Hallelujah. About the revival. Au sujet du réveil. Wealth revival. Le réveil du pays. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. The revival is not on the streets, up there. You are the revival.
Anywhere I go, friends, brothers, I take the revival with me. Hallelujah. Praise God. You are the revival. You make the meeting. And I believe when Brother Jonathan will come tonight, I don't even have to speak too much tonight. The heaven is already here. The presence of God is already here. Hallelujah. Praise God. Oh my. Can you believe? But the dynamic can pour out tonight. Can we receive our portion tonight? Oh, give a shout to the Lord if you believe that. Praise God, amen, amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. A few times. Amen. Quelques instants. Hallelujah. You don't mind if I drink a little bit? It's okay si je bois un petit peu? Amen. I don't know. I thought I'm going to speak in French. I have few notes since French. But I don't know what's happening. I just spoke in English. But anyway, may the will of the Lord be done. Amen. Praise the Lord. This is the first time for me to speak in English. Praise the Lord. Amen. But I better switch in French now. Praise the Lord. Amen. En français. Praise the Lord. Amen. So I don't know. My, my. Oh là là. Praise the Lord. So, God bless you, church. Que Dieu vous bénisse, église. Amen. I bring you greetings from my family that's here. Amen. The part of the church. Amen. In Cergy, France. À Cergy, en France. And also Madagascar. Et aussi à Madagascar. It's really a blessing to be here, to fellowship with you. Une bénédiction d'être Amen. Ici avec vous et Hallelujah. D'avoir communion. Amen. Gloire à Dieu. We don't need too much people. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de gens. Papa Branham said, give me 10 personnes. Donnez-moi. Full of Holy Ghost. 3 personnes. God will do in 1 year. Dieu fera. Van der Leyen did not do in 2000 years. So we can make a revival tonight. We can shake the world tonight, friends. Hallelujah. Monde. Praise God, amen. Gloire Hallelujah, amen. Amen. Yes, sir. I don't want to stay too long. Je ne vais pas rester amen. Si trop longtemps. I didn't want even to come here behind this pulpit. It's because of Brother Caleb Anoudou. I tried to escape, but he pressed me. Il m'a pressé. It's what a very, very hard. C'était difficile. So, but I told Brother Caleb, knowing Brother Jonathan will come tonight, I don't want to take too much time for him. But praise the Lord. Of course, I have a little bit burned tonight. Very, very short. J'ai quelque chose de très court. I remember I told Brother. I don't like too much, you know, you have to work too much with the people at home. So when you, I enjoy the conversation because I can sit and j'ai beaucoup de travail à la maison et j'apprécie les conversations parce que je peux m'asseoir et écouter les autres prédicateurs. Because back home you have to work a lot to help the people. Là-bas à la maison, vous devez beaucoup travailler et aider le peuple. Amen. Those who really knows me, ceux qui me connaissent vraiment, they know that I don't like to preach. Ils savent que je n'aime pas prêcher. Amen. Amen. I really appreciate those men of God here. J'apprécie beaucoup ces Amen. Hommes de Dieu ici. May the Lord richly bless them. Que le Seigneur les bénisse richement. So, I want to bring quickly a greeting to Brother Caleb Anoudou. J'aimerais apporter des salutations rapidement Amen. À Frère and Caleb Sister Anoudou. Salomé. Et sœur Salomé. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi. I feel like saying something in English tonight. Je me sens de Amen. Prêcher I can't en anglais ce soir. Because, je ne peux pas l'expliquer. Amen. But Amen. Really, also appreciate all the local Ephesians Christian Assembly. J'apprécie aussi l'assemblée chrétienne locale d'Ephésienne. What a blessing to Quelle see bénédiction de voir Frère Amen. Justin. God bless Justin, all Frère the Justin. Deacons, the Dieu church. Te bénisse tous les diacres Amen. De l'Église. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Also. Aussi. I would like to J'aimerais bring the greeting apporter les salutations for all the minister of God present, Brother Jano. J'aimerais saluer tous les prédicateurs wise. Qui sont présents ici, Frère Jano, oh, son épouse, Stéphanie, Johnny Kolenbrenner. Amen. Those who are hooked up tonight. Et ceux qui sont connectés ce soir, que le Seigneur vous bénisse richement. I would like to greet peace. Especially also j'aimerais Brother saluer Bellomo. Spécialement Frère Bellomo. Amen, Sister Virginia. Sœur Virginie. Amen, Brother Joey Bellomo. Frère Joey Bellomo. All ici. Amen, Brother Jonathan. Frère Jonathan. Amen. When you see Brother Jonathan, quand vous voyez Frère Jonathan, you see his father. Vous voyez son père. Amen. When Amen. You see Brother Joey, you see Brother Jonathan. Lorsque vous voyez Frère Joey, vous voyez Frère Jonathan. Amen. So, would like, if you don't mind, si amen, ça vous va,
I would like to take a few scriptures very quickly. J'aimerais prendre quelques écritures rapidement. I told Brother Jonathan, I don't want to take his time. J'ai dit au frère Jonathan, je n'aimerais pas prendre son temps. But I would like just to put the people in expectation a few minutes. Juste mettre le peuple dans l'expectative pendant quelques minutes. Amen. Remember when Brother Coleman passed away. Et souvenez-vous lorsque frère Coleman est décédé. Joseph Bellomo asked me to say a few words in 5 minutes. Lorsqu'il est rentré à la maison, frère Joseph Bellomo m'a demandé de dire quelques mots. Amen. And en 5 minutes. I am a gentleman. Et je suis un gentleman. If somebody asks me to speak 5 minutes, si quelqu'un me demande de parler 5 minutes, I try to five it to do it in 4 minutes 59. Je vais essayer de le faire en 4 minutes 59. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Yes, sorry. Amen. So I made it that day. Donc j'y suis arrivé ce jour-là. Amen, Brother Joey. Some people, Joey, they have been mad about Brother Bellomo because they said, oh, certains ont how été, can I put, amen, en colère, amen, vis-à-vis de Brother Bellomo. Comment en 5 minutes all the life I knew about Coleman, but a-t-il pu résumer la vie God de Coleman? Will always make a way. Amen. Mais Dieu fait un chemin toujours. Amen. Amen. I would like to read quickly, if you don't mind. Si ça vous va. Saint Luke 24, verse 36. Luke, because Luke. Maybe, amen. I don't know. Luke 24. Praise the Lord. Hallelujah. I have a Bible in French, so I don't know. J'ai une Bible en anglais, en français, je ne sais pas. Maybe we can switch. You give me your Bible in English and speak in French. But I will do it quickly. 10 minutes, amen. I just wanna make something here, people. Juste 5 minutes. You know, we used to say. Nous avons l'habitude de dire. Amen. That to know. De savoir. Where you are in present tense. Que lorsque vous êtes au temps présent. Where we are. Où est-ce que nous sommes au temps présent? Où est-ce que nous sommes au temps présent? Where we are in present tense? Où est-ce que nous sommes au temps présent? We must know the past. Nous devons connaître le passé. Amen. When you travel the road, you must know the present. Where to know the present tense, you must know the past. Pour connaître le présent, vous devez connaître le passé. Amen. If you have to go further, si vous devez you have to, if si you vous have devez to go for prayer, si vous devez avancer, amen, you must know what have been done. Vous devez savoir ce qui a été fait. Amen. I remember Baba Coleman said most of the time. Et souvenez-vous, Frère Coleman dit souvent. I watch my time here. Je vérifie ma montre ici. Amen. He said. Il dit. Amen. We can't switch from revelation. Nous ne pouvons pas passer de la révélation. 10:1-7. D'Apocalypse 10:1-7. To 10:8-11. À 8 à 11. Unless you know, à moins that Revelation 10:1-7 has been accomplished. De savoir que Apocalypse 1 a été accompli. So today I say something in French. Ce soir, je dis quelque Hallelujah. Chose aux amis. We can't move. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Hallelujah. For the promise of the dynamics to the mechanics. De la promesse de la dynamique sur la mécanique. Unless you know, à moins de savoir, something has been done in this earth, que quelque chose in a été fait sur cette terre, after the dans cette génération, away. Après que le prophète soit parti. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, read it quickly. Donc, lisons-le rapidement. Amen. You know, most where is Luke 24? Yes. Amen. 36. Verset 36. Where is it? Chapitre. Luke 24. Ok. Il y a quelque chose qui ne va pas là, frère. Amen. Praise the Lord. Okay, praise the Lord. All right, it's away. I'm sorry. Praise the Lord. Is it okay? Thank you. I'm old time man. I'm not using this. Amen. You know, Brother Coleman said many times that Brother Branham never went beyond verse 35. Que Frère Branham n'est pas allé au-delà du verset 35. Of Luke 24. De Luc 24. There must be a reason for that, friends. Doit y avoir une raison pour cela, mes amis. Very quickly now. Rapidement maintenant. Amen. 10 minutes, try. 10 minutes. Hallelujah.
Amen. As they spake, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Amen. Rabbi Branham never went to this verse of 36. Rabbi Branham n'est jamais allé à ce verset 36. Hallelujah. Amen. That must be done again. Ça doit être fait à nouveau. Amen. Amen. Hallelujah. And one thing I remember is Et une chose dont je me souviens, September 22nd, 1974. C'est que le 22 septembre 1974. Hallelujah. Amen. Amen. God's servant stepped out. God's servant. Le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu s'est avancé. Tu veux que je passe en français? Ok, ensuite en français. Ok, le serviteur de Dieu. God's servant. S'est avancé. Step out. Il a dit que la paix soit avec vous. And said peace be unto you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now I have to need to my people. Maintenant j'ai besoin de dire en français. Quickly, right. Amen. Yes, sir. Amen. Yeah. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu de Dieu, que la paix soit avec vous. As they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. But they were terrified and affrighted and supposed that they had seen a spirit. Amen. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? And he said unto them, Why are ye troubled and why do thoughts arise in your hearts? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez ce que j'ai. Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath no flesh and bones as ye see me have. Et mon témoignage personnel. And my personal testimony. Hallelujah, j'ai pu toucher la réalité de ce message. I could touch the reality of this qui est amené par l'inspiration des sept tonnerres. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. As when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient dans l'étonnement. And while they yet believed not for joy and wondered, he said. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Have you here any meat? Amen. Hallelujah. Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et l'en prit, il mangea devant eux. And they gave him a piece of broiled fish and of a honeycomb. Et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. And he took it and did it before them. And he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the psalms concerning me. Amen. N'importe quelle promesse No matter promise que Dieu nous a donné dans cette saison doit s'accomplir. Peu importe les batailles, peu importe the trials, les épreuves, peu importe the les oppositions. Amen. Positions. Praise God. Amen. Amen. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et les pardons de péchés s'est prêché en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures, and said unto them, Thus it is written, and thus it be, Behold Christ to suffer, and to rise from the dead the third day. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with the power from on high. Amen. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et enlevé les mains, il les bénit. And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, fut enlevé au ciel. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple praising and blessing God. Amen.
Ils ne bénissaient pas Dieu parce qu'ils étaient déjà changés. They were not blessing God because they were ils bénissaient Dieu parce qu'ils savaient qu'ils allaient être changés. Because they knew they would be changed. Parce qu'ils allaient recevoir la puissance. Because they will receive Amen. Power. Et une courte écriture que vous connaissez parfaitement. And a short scripture that you perfectly know. Et vous recevez une puissance. And you shall receive power. Le Saint-Esprit survenant sur vous. The Holy Ghost come upon you. Et hallelujah. Et vous serez mes témoins. And you shall be witnesses à Jérusalem, to me in Jerusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. In Judea, Samaria, in all, in all, and on all earth. Amen. Et voilà Amen. Mon expectative, mes and amis. That's my expectation. Amen. Friends, maintenant, je ne suis pas ici. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. You may be seated. God bless you. Amen. 5 minutes. 5 minutes. Amen. Maintenant, je ne suis pas ici pour prêcher. Now, I'm not here to mais preach, juste pour vous rappeler, Église, but just to remember you, que cette épouse du temps de la fin, that this, hand-time bride, Amen. Comme l'épouse Alpha, as the Alpha bride, a été placée sous la promesse du déversement de la dynamique sur la mécanique. Placed under the promise of the outpouring of dynamics upon mechanics. Et tant que cela ne sera pas accompli, and as long it is not fulfilled, une véritable semence de Dieu ne serait pas satisfaite. A true seed of God will not be satisfied. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une bonne connaissance de la parole. We cannot content, be satisfied of a good knowledge of the word. Amen. Mais nous voulons la puissance we need power qui fait marcher cette mécanique en or. That puts that mechanics. Hallelujah. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ce week-end. That's why we are gathered tonight. Frère Branham a dit, said, la mécanique ne fait pas marcher l'église. The mechanics not, that don't put the church on. C'est la dynamique qui va le faire. That's the dynamics that will do that. Et pensez-y, église. And remember, church. La même puissance. The same power. La même dynamique. The same dynamics. Hallelujah. Qui a changé l'épouse Alpha. That changed the Alpha church. Va nous changer dans cette saison. Will change us in this season. Et tant que cela ne sera pas accompli, as long as it's not fulfilled, je ne serai pas satisfait. I won't be satisfied. Hallelujah. Hallelujah. Donc nous n'allons pas nous contenter. So we won't be happy. We will not be satisfied. Amen. D'un enseignement théologique. With a theological teaching. Mais nous voulons une puissance. But we want a power qui va faire marcher cette parole. That will put this word on. Hallelujah. 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 Amen. Et c'est ce que nous attendons dans ces réunions. Alors que Frère Jonathan va s'apprêter à venir. Ready to come forward. Je ne sais pas ce que les autres pensent. I don't know what other things, mais moi j'attends la dynamique. But I'm expecting dynamics. Hallelujah. Hallelujah. J'attends la puissance. I am expecting the power. Je ne parle pas de la naissance. I'm not talking about je parle birth, de la puissance. But I'm talking about the power. Hallelujah. Praise God, praise amen. God, amen. Et cette promesse de la dynamique sur la mécanique that promise of dynamics upon ne peut pas faillir, mes amis. Cannot fail, friends, parce que Jésus a dit because Jesus said, tout ce qui est écrit de moi, all that is written tout of ce qui est écrit dans cette parole all that is written doit s'accomplir. Be fulfilled. Amen. Et nous voilà Amen. Ici ce soir, mes amis. And here we are tonight, sur cette promesse. Upon that promise. Et nous ne voulons rien moins que cela. And we don't want nothing else c'est ça but qui that. Va changer votre vie, jeune gens. This is what c'est ça qui va changer life, ma vie, mes amis. People. Hallelujah, praise, praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Et lorsque cela va descendre, and when it will come down, oh, cela va transformer votre être entier. It will change your entire body. Amen. Est-ce que c'est votre expectative? Your entire being, is that your expectation? Oh, que Dieu vous bénisse ce soir. Oh, God bless you tonight. Il semble qu'il y a une épouse ici. It feels like there is Amen. A bride qui a la même attente, la même expectative. Amen. Alors que Frère Jonathan va prêcher, Jonathan will preach, toutes choses peuvent arriver. Anything que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. God bless Shalom. You. Shalom. Appreciate Brother Didier. Appréciez-vous, Frère Didier. Amen. 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 So as we get ready to have Brother Jonathan come, let me have a key for we'll walk in the light. Amen. I can't think of a better song to bring Brother Jonathan up on. Amen. It was a theme in his father's ministry. And we have continued to walk in the light. By the light of his word. Since God took his apostle home. So lift up your hands. Close your eyes. And remember now, as Brother Jonathan speaks, just keep worshiping him. Worship, worship the word as it comes forward. Adorez la parole alors qu'elle sortira.
adorer la parole et laisser Dieu faire le reste. Oh, such a beautiful light. When it comes away, the dew drops of mercy are bright. Oh, let it shine all around us by day and by night. Oh, it is Jesus. Sing it one more time. Oh, come, let's walk in the light. Was such a beautiful light. Oh, comes away the dewdrops of mercy are bright. Oh, let it shine all around us by day and by. For it is Jesus, the light of the world. Donnons au Seigneur une acclamation. Remerciez-le pour les réunions ce soir. Nous sentons sa présence dans le bâtiment ce soir. Alors adorez-le. Remerciez-le. Amen. Père, nous te remercions pour ce qui a déjà été parlé. Nous te remercions de nous avoir emmenés ici en sécurité. Amen. Nous te remercions pour la parole qui est sortie ce matin, pour la louange qui est sortie ce matin. Et nous te remercions pour l'onction que nous sentons maintenant. Prendre les quelques paroles que j'ai rassemblées depuis mon cœur. And Lord God, et Seigneur Dieu, may you answer with fire. Puisses-tu répondre par le feu. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen and amen. Amen et amen. And the church says, et l'Église dit, amen. Amen. You have to be here tonight. Nous sommes heureux d'être ici ce soir. You feel the Lord. You feel the Lord. Vous sentez que le Seigneur peut descendre ce soir et répondre à votre prière ce soir. Guérir toute maladie. Délivrer les captifs. Libérer les captifs. Et vous remplir du baptême du Saint-Esprit. Est-ce votre prière ce soir? Est-ce pour cela que vous êtes venu ici? Vous avez traversé tous ces kilomètres au milieu du Covid pour une touche de lui, pour un baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour quelques minutes. Amen. Je continue l'ordre. Et c'est un grand honneur, un privilège de me tenir devant vous ce soir. Et une grande église, l'église chrétienne, l'assemblée chrétienne des Éphésiens. Amen. Frère Caleb, merci pour l'invitation, pour le deuxième anniversaire de cette église. Nous apprécions ta position. Et nous apprécions le feu. Amen. Amen. And it feels good. Et on se sent bien. It feels good to be here tonight. D'être ici ce soir. So I know. So I know. Ainsi donc je sais the right message que le bon message vous a été prêché. That the right promises que les bonnes promesses are being sown here in Kent. Ont été semées ici au Kent. Because I feel the fire come back. Et je ressens ce feu en retour. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Appreciate Brother Johnny Colenbrenner. Appréciez-vous, frère Johnny Colenbrenner. Make us one. Unis-nous. Make us one. Unis-nous.
Amen. I told him and his brother. Et je lui ai dit au frère. This afternoon. Cet après-midi. That is not a European convention. Que ce n'est pas une convention européenne. Without a Colin Brenner. Without a Colin Brenner there. Avec les Colin Brenner là. Amen. All that your father, your mother, your family has done. Tout ce que ce n'est pas une convention européenne sans les Colin Brenner. Tout ce que votre famille, votre papa a fait. For the bride. Pour l'épouse. And for this inspiration. Et pour cette inspiration. Down through the years. Pendant toutes ces années, we love you, we appreciate nous vous aimons brother, et vous apprécions. Sigma, the family. Et la famille, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. And you appreciate Amen. The song. Appréciez-vous les chants. Take up your cross. Prends ta croix. Is that your mission tonight? Est-ce votre mission ce soir? To take up your cross. De prendre votre croix. To die. De mourir. Amen. To die out. Et de mourir. And become more like him. Et devenir plus comme lui. Amen. And brother Didier. Amen, frère Didier. You could have kept going, brother. Tu aurais pu continuer, frère. Amen. You're right on the beam. Tu as. You're right on target. Tu as chevauché sur la cible là. Brother Caleb said this morning. Et frère Caleb a dit ce matin. That the theme of this convention que le thème de cette convention is the dynamic. C'est la dynamique. Amen. 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 We've seen the mechanics. Nous avons vu la mécanique. For long enough. Nous avons eu la mécanique pendant trop longtemps. For we're waiting for a convention. Nous nous attendons à une convention. We're waiting for a meeting. Nous nous attendons à une réunion. Amen. With Peter. Ou Pierre. Yes, speak these words. Alors qu'il parlait ces paroles, un message court et rapide, et observer la puissance descendre. Amen, frère Didier. Observer la dynamique se déverser. Amen. Peter quoted Joel. Peter quoted the prophet Joel. Pierre a cité le prophète Joël. And God answered with fire. Et Dieu a répondu par le feu. We are going to quote the prophet Malachi et nous allons citer le prophète Malachi 4. And we pray. Et nous prions that God answers with fire. Que Dieu réponde par le feu. Is that your prayer tonight? Votre prière ce Then soir. Give the Lord a hand of praise. Une acclamation. Amen. 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 I'll get to my scriptures. Je vais arriver aux Écritures bientôt, vous pouvez asseoir. Mais je vais continuer avec les formalités. Avez-vous apprécié le message ce matin? Que pouvons-nous dire, frère Caleb Anoudou? Passant de la grâce vers la perfection. Et laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens ici. But this morning, mais ce matin, it sounded like a thousand live voices. Ça résonnait comme des milliers this de voix morning, vivantes. Ce matin, I felt indeed j'ai senti that we were in the presence que nous étions dans la présence of the Almighty. Du Tout-Puissant. Amen. 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 And I'll be speaking more about what he preached. Et je parlerai davantage de ce qu'il a prêché. When you hear my title, lorsque vous entendrez mon titre, you know that it ties right in vous verrez que ça s'est lié to what Caleb was preaching about, à ce dont frère Caleb a prêché, the 11th hour workers. Les ouvriers de la 11e heure. Amen. Amen. And Brother Caleb mentioned, et frère Caleb a mentionné that my objective, que, my objective, que mon objectif, mon but, my goal, ou mon but, as I told him, comme je lui ai dit, is to do everything I can, c'est de faire tout ce que je peux to bring the bride pour emmener l'épouse to the unity of the faith. À l'unité de la foi. Amen. That's what we've been trying to do. C'est ce que nous avons essayé de faire. These past 10 years in particular. Et particulièrement sur les 10 dernières années. Amen. And that's why we're here. Et voilà pourquoi nous sommes weekend. Ici ce soir. Amen. 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 You may be seated for one moment. Vous pouvez vous asseoir pour quelques minutes. I'll just give you a quick testimony. Je vous donne juste un court témoignage. Then I'll go to my scriptures. Et ensuite j'irai dans mes Écritures. For a few years, pendant quelques années, I lived down by Wall Street, je vivais à Wall Street, in New York City. À New York. Amen. And one thing, et une chose, as I would go back and forth every day, alors que je sortais, rentrais tous les jours, there was a street preacher, il y avait un prédicateur de rue. Amen. Who would stand there at the corner of Wall Street and Broad Street? Qui se tenait là à l'angle de la rue de Wall Street et Broad Street? In the heart of the financial capital of the world. Au cœur de la capitale financière du monde. Right in front of the stock exchange. Juste devant le stock exchange, New York Stock Exchange. Day after day. Et jour après jour. He would cry out. Il criait. You must be saved. Vous devez, vous devez être sauvé. The rapture is coming. L'enlèvement vient. You must be saved. Vous devez être sauvé. And I will look at him. Et je le regardais. And I will say, what kind of faith does this man have? J'ai dit, mais quel genre de foi cet homme a? Because this is New York City. Parce que ça, c'est New York. Hein. Amen. Where the people are known où les gens sont connus to be a little cynical.
pour être cynique. A little jaded. Amen. Amen. Not too interested. Pas intéressé, non intéressé. In the things of the God. Désintéressé des choses de Dieu. And especially on Wall Street. Et spécialement à Wall Street. They have only one thing on their mind. Il y a une seule chose dans leur tête. That's making money. C'est faire de l'argent. And here this man stood. Et cet homme se tenait là. Day and after day, night after jour night. Après jour, nuit après nuit. And I said to myself, et je me suis dit en moi-même, I need that kind of faith. Je veux cette sorte de foi. As people would walk past him. Alors que les gens passeront à côté de lui. Et passeront à côté de lui. Et souvenez-vous un jour, alors que je l'observais, cet homme est sorti de la foule. Et je l'ai approché. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais la chose que je sais, c'est que le prédicateur a lui imposé les mains. Et le conduisait vers Christ. Et j'ai pensé, j'ai dit, cette prédication, tous ces cris n'étaient pas en vain for that one person. À cause de cette personne. This man held on cet homme for that one person. S'est tenu là pour une personne. So why am I saying this? Alors, pourquoi dis-je cela? Sometimes when you try to stand for unity, parfois, lorsque vous essayez de tenir, de prendre position pour l'unité, it could be discouraging. Vous pouvez être découragé. You can invite people, vous pouvez inviter des gens and they don't show up. Et ils ne viennent pas. And they give you excuses. Et ils vous donnent des excuses. Why I can't meet with that group. Je ne peux pas aller avec ce groupe-là. Or I can't have that preacher. Ou je ne peux pas avoir ce prédicateur-là. But I'm gonna hold on. Mais attends. Like that street preacher. Je me tiens là comme, if there's 1 minute before comme the rapture, ce prédicateur de rue. Si God will bring his bride. Un seul homme. Dieu, God will bring his bride. Dieu amènera son épouse one more time, une fois de plus to unity. À l'unité. How many believe that? Combien le croient ce soir? How many stand for that? Combien prennent position pour cela? Amen. Amen. That's what my church, voilà pourquoi mon église, the Omega Christian Assembly, l'Assemblée chrétienne Omega, stand for. Voilà ce sur quoi elle a pris position. That's what our pastor, et c'est ce sur quoi notre pasteur, frère Belomo, stands for. Se tient. And I bring you greetings from him. Et je vous apporte ses salutations. And that's why we're here today. Et voilà pourquoi je suis ici. God bless you. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. If you can stand to your feet. Si vous pouvez vous lever. I'll be reading. Je vais lire. From the book of 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel. 16. 16. Verses 6 through 12. Versets 6 à 12. 1 Kings. 1 Roi. 19. 19, 18 to 19, 18 à 19, and also you can find a place, et aussi for Saint John's 15, dans Jean 15, verse 15 to verset 17. 15 à 17. Amen. Amen. So we'll be reading again in 1 Samuel 16. Donc allons-y premièrement dans 1 Samuel 16. And it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointing is before him. Sorry. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. In the seventh verse, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, neither hath the Lord chosen this. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Then Jesse made Shammah to pass by, and he said, neither hath the Lord chosen this. Isaïe fit passer Shammah, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.
And Jesse made seven of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, The Lord hath not chosen these. Isaïe fit passer sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down until he cometh hither. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. And he said and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Also in 1 Kings, the 19th chapter. Aussi dans 1 Roi, chapitre 19. Verse 18. Verset 18. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Mais je laisserai en Israël 7,000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. So he departed thence and found Elisha, the son of Shabbat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12th, and Elijah passed by him and cast his mantle upon him. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Amen. Elijah was feeling a little lonely. And he had just stood before Jezebel and stood for God's word. Devant Jézabel et il a pris position pour la parole. And he was feeling all alone. Et il s'est retrouvé seul. And God told him, et Dieu lui a dit, There's a remnant somewhere. Il y a un reste quelque part. Of 7,000. 7,000. That have not bowed their knees. Qui n'ont pas fléchi le genou. To no false idol. Devant de fausses idoles. No false doctrine. Devant de fausses doctrines. Amen. And he began to feel encouraged. Et il a commencé à être encouragé. But then he told him, et alors il lui a dit, You gotta go and anoint someone. Tu dois aller et oindre quelqu'un. Elisha. Élisée, with a promise. Avec une promesse. Amen. How many Amen. Feel like that? Combien se sentent ainsi? Amen. When you're feeling lonely and alone, lorsque vous vous sentez seul, God reminds you, Dieu se souvient de vous. Like he's doing this weekend, Dieu vous rappelle comme il le fait ce week-end. That yet a remnant remains. Que malgré tout, il y a un reste là. Amen. 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 You're not alone. Vous n'êtes pas seul. Also reading, je vais aussi my lire final verse of scripture, Saint John 15. Ma dernière écriture, Jean 15, verset 17. À 17. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have known unto you. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. That ye should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. These things I command you, that ye love one another. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. May the Lord add a blessing to the reading of que his le word. Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. And I want to take my title Et tonight j'aimerais prendre mon titre ce soir from that last verse of scripture, de cette dernière écriture, last portion, cette dernière portion. He chose the best for last. Il a choisi le meilleur pour la fin. And I'm looking. Et je m'attends At who he chose. À ceux qu'il a choisi. And I know et je sais that he chose qu'il a choisi the best le meilleur for last. Pour la fin. And if you don't know that, et si vous ne le savez pas already, déjà,
I pray by the time this meeting ends, je prie qu'à la fin de ces réunions, you will know vous saurez that of all he could have called, que parmi tout ce qu'il aurait pu appeler, he called you. Il vous a appelé. And out of all he could have chose, et parmi tout ce qu'il aurait pu choisir, he chose you. Il vous a choisi. And when he chose you, et lorsqu'il vous choisit, il vous a choisi parce que c'était le meilleur qu'il pouvait trouver. He chose some young people, il a choisi des jeunes gens that would not bow their knees to Baal, qui ne fléchiront pas leurs genoux devant Baal, mais prendront position in their school, à l'école, in the face of Satan, devant la face du diable, in the face of temptation, devant la face de la tentation. They would not bow their knees, et ils ne fléchiront pas leurs like genoux David, comme David. God has anointed you, brothers, Dieu vous a oint, frère, to stand pour tenir against every Goliath, devant Goliath, to slay de couper every bear, chaque to slay de couper trancher every lion, chaque balle, chaque lion. God chose you, Dieu vous a choisi, and he will never give you a trial, et il ne vous donnera jamais une épreuve that he already gonna know, sans savoir that you will overcome, que vous vaincrez. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. And I want to have a special focus. Et j'ai un focus particulier on the young people tonight. Sur les jeunes ce soir. Amen. Amen. I once was a youth pastor. J'étais un jeune pasteur. Amen. And once you get that burden, et lorsque vous avez ce fardeau dans votre cœur, vous ne perdez jamais ce fardeau. I know how difficult it was, parce que je sais à quel point c'était difficile for me to be, to serve him, pour le servir, pour moi de le servir. In my day, au temps, and I know today, lorsque j'étais jeune, et je sais qu'aujourd'hui, it is much harder. C'est encore plus difficile. Amen. Satan, has raised his standard. Satan a élevé son étendard. But I also know, mais je sais aussi that God, que Dieu has raised his standard, a élevé son étendard. Amen. Amen. And if you're here tonight, et si vous entendez ce soir, you're here, entendez, because God chose you, vous entendez parce que Dieu vous a choisi pour être ici. And when he chose you, et lorsqu'il vous choisit, he chose the best, il choisit le meilleur that he could find, qu'il aurait pu, qu'il peut trouver. He chose an overcomer, il choisit un vainqueur. He chose a warrior. Il choisit un guerrier. He chose a David. Il choisit un David. Hallelujah. Hallelujah. How many believe that? Combien le croient ce soir? How many ready to leave this meeting? Combien sont prêts à partir de and ces réunions face every Goliath? Et faire face à chaque Goliath? Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. You may be seated. These last 10 years, vous pouvez vous asseoir, ces 10 dernières années of the visions, de la vision, the visions in fighting, de la vision, in fighting, de division, division, has been hard on all of us, division et bataille, ça a été difficile pour nous tous, but especially upon the young people, mais spécialement pour les jeunes. Maybe you feel alone at times, peut-être que vous vous sentez seul parfois, but I want to encourage you mais today, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. Yet a remnant remains. Il y a un reste. Amen. God chose you. Dieu vous a choisi. And because he chose you, et parce qu'il vous a choisi, you're gonna make it. Vous allez y arriver. And not only did God choose you, et pas simplement Dieu vous a choisi, he ordained you for a purpose. Il vous a ordonné pour un but. And what is that purpose? Et quel est ce but? To bring forth fruit. De produire du fruit. To bring forth much fruit. De produire davantage de fruits. To bring forth more fruit. Plus de fruits. And that fruit, et maintenant le fruit, according to the word of God, selon la parole de Dieu, will endure. Va demeurer. It will endure, va demeurer, through every trial, dans chaque épreuve, through every temptation, dans chaque tentation. And the Bible says, et la Bible dit, whatever you ask, tout ce que vous demanderez, in the Father's name, au nom du Père, he will give it to you. Il vous l'accordera. So don't be afraid donc, to ask tonight. N'ayez pas peur de demander ce soir. Don't be afraid to ask this n'ayez weekend. Pas peur de demander ce week-end. If you need a little more faith, si vous avez encore un peu de foi, ask him tonight. Demandez-lui ce soir. If you need a deliverance, si il vous a délivré, ask him this weekend. Si vous avez besoin d'une délivrance, if demandez-lui ce Ghost, week-end. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, you can receive it tonight. Vous pouvez le recevoir ce soir. Saint John 14, 13. Jean 14. And whatsoever you shall ask in my name, et tout ce que vous demanderez en mon nom, that will I do, je le ferai, that the Father may be glorified afin in the Son, que le Père soit glorifié dans le Fils. If you shall ask anything in my name, tout ce que vous demanderez en mon nom, I will do it, je vous l'accorderai. If you love me, si vous m'aimez,
Keep my commandments. Gardez mes commandements. And I will pray the Father. Et je prierai le Père. And he shall give you. Il vous donnera another comforter. Un autre consolateur. That he may abide with you. Afin qu'il demeure avec vous. Not just for today. Pas juste aujourd'hui. Not just for this weekend. Pas juste ce week-end. Not for a season. Pas pour une saison. But he may abide with you. Mais afin qu'il demeure avec forever. Vous. Pour toujours. Forever. Pour toujours. That is your promise. C'est votre promesse. That's your promise tonight. C'est votre promesse ce soir. Amen. Amen. Come and claim your promise. Venez réclamer votre promesse. If you shall ask anything in my name, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous l'accorderai. Si vous avez besoin d'une délivrance, demandez-lui. Demande ce que tu veux. I say tonight, je vous dis ce soir, you love him. Vous l'aimez. You have kept his commandments. Vous avez gardé ses commandements. And he will answer you. Et il va vous répondre. He will not leave you comfortless. Il ne vous laissera pas orphelin. Mais il a envoyé un consolateur that will abide with you. Qui va vous guider. That will abide in qui you. Va demeurer en vous. Hallelujah. Alléluia. When you're lonely, lorsque vous êtes seul, the comforter will comfort le consolateur vous confortera. When you're powerless, lorsque vous êtes sans force, the comforter will give you power. Le consolateur la terre vous donnera la force. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Alors donnez au Seigneur une acclamation. Alléluia. 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 Je me sens loin ici. Je sens que tout peut arriver. 1 John 4:4. 1 Jean 4:4. Ye are of God, little children. Vous. Ye are of God, little children. Vous, petits enfants. And have overcome them. Vous avez vaincu. Because greater is he that is in you. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Than he that is in the world. Que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. So tonight. Ainsi ce soir. If for any reason. Si pour n'importe quelle raison. Young brother, young sister, jeune frère, jeune sœur. You don't see yourself as an overcomer. Tu ne te vois pas comme un vainqueur. By the end of this weekend. À la fin de ce weekend. I promise you. Je te promets. You will. Que tu. Young people. Jeunes gens. Older people. Les plus anciens. Greater is he. Celui qui est en vous est plus grand, greater, plus grand, more powerful, plus puissant, more anointed, plus loin is he que celui that's in you qui est than he que celui that's in the world qui est there dans le monde than he que celui that is tempting you qui vous tente than he que celui that is striking at you qui vous tente. Greater. Celui greater, qui est en vous, celui qui est en vous, plus et plus fort, sharper, plus tranchant, plus puissant. And who is that overcomer? Et celui qui vaincra, it's not you, c'est pas vous, with your mistakes, avec vos fautes, with your faults, avec vos erreurs. It's that seven thunder word seed, c'est cette semence, parole des sept tonnerres, qui a été semée en vous. Since you are an infant. Since you are an infant, depuis que vous êtes enfant, your mommy, votre maman, your daddy, votre papa brought you to a church like vous this, a amené dans une église to comme a place celle-là, like this, dans un endroit comme your celui-ci. Mommy, votre mamie, your daddy, votre maman, played tape from votre the papa a joué des bandes du prophète in your homes, dans votre maison, in your cars, dans votre voiture. Dans, et ces semences-là sont sorties de ces bandes et sont entrées en vous. Tonight, et voilà pourquoi je dis ce soir, no feel, peu importe comment vous vous sentez, down, que vous soyez en bas, up, que vous soyez en haut, il y a une semence en vous sown, qui a été semée greater, et plus grand, greater, plus grand is that seed in you, et cette semence en vous que le monde. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. The word is anointed. La parole est ointe. And that's the anointing you feel now. Et je sens l'onction ici. And that anointing. Et cette onction. That seed. Cette semence. That word seed. Cette semence parole. Is greater than your doubts. Est plus grande que vos doutes. Greater than your fears. Plus grande que vos craintes. Greater than your trials. Plus grande que vos épreuves. Greater than your mistakes. Plus grande que vos erreurs. Ye are of God, little children. Vous, petits enfants, God, vous, petits enfants, he called you. Il vous a appelé. He chose you. Il vous a choisi. He called you. Il vous a choisi. And he chose. Et il choisit the best for last. Le meilleur pour la fin. That. And you know why? Vous savez quoi? Because that seven thunder seed, à cause de cette semence de sept tonnerres qui a été semée en vous, is the best seed, c'est la meilleure semence that could ever be sown, qui pouvait être semée.
Hallelujah. Amen. You may be seated. Amen. Vous pouvez vous asseoir. So what is the key? Donc quelle est la clé? The devil has raised his standard. Le diable a élevé son étendard. It is time. Et c'est le temps. For the church. Pour que l'église. To stop playing around. Arrête de jouer. There's young people out there. Il y a des jeunes là. That need more of God. Qui veulent plus de Dieu. It's time for us adults. It's time for us, Caleb, c'est pour que nous, c'est le temps maintenant que nous, les Caleb, arrêtions de It's jouer. C'est le temps de l'église. Every church, c'est le temps maintenant every minister, pour que chaque ministre élève un étendard. On a message, God keeps his word. Dans un message, Dieu tient Preach sa parole. April 7th, prêcher le 7 avril 57. Brother Branham says, and I know you know this quote. Frère Branham dit, je sais que vous connaissez cette citation. I believe gifts are wonderful. Je crois que les dons sont merveilleux. And we need them. Et nous avons besoin d'eux. And respect them. Et nous les respectons. But I believe the time is coming. Mais je crois que le temps est arrivé. When it's going to be on a higher standard. Où ce sera un standard plus élevé. Than that. Que cela. Why? Pourquoi? After all these things is done away. Après que toutes ces choses aient été faites. That which is love. Ce qui est l'amour. Will endure forever. Demeurera éternellement. See, it's the love of God. Voyez-vous, c'est l'amour de Dieu. Will just be standing. Qui se tiendra preaching, prêchant like this, comme ceci or talking, ou parlant and just the love, et juste l'amour will just settle over the building. Va descendre et couvrir le bâtiment. Amen, amen. Amen, amen. That's why in John, voilà, John 14, 17, voilà pourquoi dans Jean 14, 17, after giving a promise, une promesse a été donnée. Of ask what you will. Demande ce que tu veux. He gave a commandment. Il a donné un commandement. These things I command you. Ces choses que je vous demande. That you love one another. Ce que je vous demande, c'est de vous If aimer les uns les ask autres. What you will. Et alors, vous demanderez ce que vous voudrez. Love your brothers. Si vous pouvez demander, faire Whatsoever quelque chose. You ask in my name. Aimez votre frère, ce que vous demanderez en mon nom. I'm gonna give you. Je vous l'accorderai. But also I command you. Mais aussi je vous commande Love one another. De vous aimer les uns les autres. Saint Mark 11, 23. Marc 23. You can say to this mountain, vous pouvez dire à cette montagne, Be thou removed. Ôte-toi de là. And if you don't doubt, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, you have faith in your heart, et que vous avez la foi dans votre cœur, that mountain cette montagne is gonna move. Va disparaître. But he said also, mais il a aussi dit, When you stand praying, lorsque vous priez, if you have any ought in your heart, si vous avez une rancœur dans votre cœur, drop that ought. Déposez-la. If you want that mountain of unbelief to move, si vous voulez que cette incrédulité parte, drop that ought. Déposez cette rancœur. If you want to speak the word, si vous voulez parler une parole, for your son, pour votre fils, for your daughter, pour votre fille, you better drop that ought. Vous ferez mieux de déposer Minister, cette rancœur. Prédicateur, if you want that dynamic si vous voulez church, cette dynamique dans votre église, if you want a young people revival, si vous voulez un réveil des jeunes gens, horses, vous ferez mieux de déposer ces rancœurs alors que vous priez. You, je vous commande love one de another. Vous aimer les uns les autres. That's not by accident. Ce n'est pas par hasard. If you want absolute, you may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Let me pull back a little bit. Et reposez-vous un peu. If you want absolute power, si vous voulez la puissance absolue, to be able to ask anything in his name, pour être en mesure de demander toutes choses en son nom, then you must have absolute love. Alors vous devez avoir un amour absolu. The power of love. La puissance de l'amour must overcome doit vaincre the love of power, l'amour de la puissance, the love of ministry, l'amour du ministère. Amen. Amen. You must absolutely drop every yours, vous devez absolument déposer toute rancœur. Parce que vous avez entendu ce matin, Caleb, frère Caleb, when love projects, lorsque l'amour s'élance, sovereign grace, la grâce souveraine takes over, prend le contrôle. And you learn, et vous avez appris that sovereign grace, que la grâce souveraine, charity, la charité, does what it wants to do, fait ce qu'elle veut. That when sovereign grace, c'était la grâce souveraine takes over, lorsqu'elle prend le contrôle, that when love projects, lorsque l'amour s'élance, and sovereign grace takes la grâce souveraine prend le contrôle, then you aren't asked what you will, alors vous. Vous pourrez demander ce que vous you voulez. Your family saved. Vous voulez voir votre famille sauvée? Ask what you will. Demandez ce que vous voulez.
Demandez ce que vous voulez. If you need your healing, si vous avez besoin d'être guéri, ask what you will. Demandez ce que vous voulez. Because sovereign grace, parce que la grâce souveraine, charity, la charité, the dynamics, la dynamique has settled over the building, est descendue sur le bâtiment while you were standing, alors que nous nous tenions talking, parlant, preaching, prêchant, praying, priant. Love, l'amour was projected, a été projeté and our grace, et la grâce, our grace is here, cette grâce est ici. Grace is here this weekend, ce week-end. Grace, grace for your family. Grâce, grâce pour votre Amen. Famille. Grace, grâce, grace, grâce. Do you believe that? Vous le croyez? Hallelujah. Is there a possibility? Il y a encore une possibilité. Can this meeting? Est-ce que ces réunions be that meeting, peuvent être ces réunions we'll be standing, preaching, talking, and love will settle in? Où vous parlerez, prêcher, l'amour descendra? Can this be that meeting? Est-ce que ce serait ces réunions-là raised to a higher standard? Qui vous élèveront à un standard plus élevé? Well, if it is, qu'en est-il? Before we leave this place, si c'est le cas, alors avant que nous partions we'll de cet endroit, what you will nous, vous demanderez ce que vous voudrez. Is there a possibility? Il y a une possibilité. Amen. Is it time? C'est le temps to bear much fruit? De produire davantage de so fruits. Your fruit will remain. Afin que votre fruit demeure. Because the fruit of love, parce que le fruit de l'amour will endure forever. Va demeurer éternellement. Everything else will pass away. Le ciel et la terre passeront. Faith, hope, la foi, l'espérance. The greatest of these, mais la plus grande de ces choses, is love, c'est l'amour. Love divine. L'amour divin. Amen, amen. Amen, amen. Give the Lord a hand of praise. Donnons-lui une acclamation. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Amen. My very first message I preached. Le premier message que j'ai prêché. In Penn Harris, à Penn Harris, 1992, en 1992, c'était un court message. I spoke about a great drama, parlons d'une grande histoire. How before the foundation of the world, avant la fondation du monde, all the people, tout le peuple, throughout all the church ages, au travers des âges de l'Église, were lined up, s'aligneront. And a great casting manager, et un grand manager, là, un chef de casting, Elohim. Elohim. Elle et la Elohim a choisi un peuple pour son âge, a choisi un peuple pour l'âge de Luther, l'âge de Wesley, pour les âges, l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Every age, et chaque âge, has a people. Il y a un peuple dans chaque âge. And God needed. Et Dieu a besoin special people d'un peuple spécial for this age. Pour cet âge-ci. For bride age. Pour l'âge de l'épouse. That's why. Voilà pourquoi. He chose his best. Il a choisi le meilleur. For last. Pour la fin. Because special conditions. Parce qu'une condition spéciale. A special purpose. Un but spécial. Amen. He knew the devil. Il savait que le diable. Was going to raise a standard. Allait élever son étendard. And he needed people. Et il avait besoin d'un peuple. That could raise to that standard. Qui pouvait élever cet étendard. On the message, three kinds of believers. Dans le message, trois sortes de croyants. 1963. Et il y a une grande histoire qui se déroule. And angels are standing over the skies watching. Les anges se tiennent dans le ciel et observent. You know what a drama is. Et vous savez ce qu'est l'histoire. The actors are ready. Les acteurs sont prêts. You can see them acting. Vous pouvez les voir agir. You can see the evil one acting. Vous pouvez voir le diable agir. You can see the villain of the play. Vous pouvez voir le mal agir. Vous pouvez voir le dévoilement des plaies. How he's come on the scene with his cunningness. Comment il arrive sur la scène. To deceive. Pour séduire. But you can also see the raptured church making herself ready. Mais vous pouvez aussi voir l'église qui va dans l'enlèvement se préparer. It's a great scene. C'est une grande scène. You can see the presence of God. Vous pouvez voir the presence of God. La présence de Dieu. Vindicating and making the great drama. Confirmant la grande histoire. That's foretold here in the Bible. Qui a été dite dans la Bible. To act itself out. Alors qu'elle se dévoile. What a time to live. Quel temps. The most glorious time. Dans lequel vivre, le temps le plus glorieux. That? Frère Freddy, est-ce que tu le crois? The man of all ages has longed for this time. Les prophètes, from all ages, tous les hommes dans tous les âges to live in this ont day. Attendu ces jours.
But God didn't pick them. Mais Dieu ne les a pas choisis. He chose you. Il vous a choisi to live in this day. Pour vivre dans cet âge. What an honor. Quel honneur. What a privilege. Quel privilège. The prophets of old, Brother Branham says, the prophets of old longed to see this hour. Frère Branham dit que les prophètes des âges auraient voulu vivre dans cette heure, mais ce n'était pas leur privilège. And God chose little you. Dieu vous a choisi vous to live in this hour. Pour vivre dans cette heure. Moses, Moïse, and Elijah, Élie, and Job and all the great prophets. Et Job et tous les grands prophètes. Amen. They can only see this day afar. Ils ont pu voir ces jours de loin. Amen. John saw this day. Jean a vu ces jours. Amen. He couldn't even write about it. Et il pouvait même écrire à ce sujet. Daniel a dû le sceller là. Mais Dieu vous a choisi pour manifester ces jours, pour vivre dans ces jours. Donc lorsque vous êtes découragé, lorsque vous vous sentez abattu, pensez à ces choses. Dieu m'a choisi pour l'acte final, dans l'âge final. Amen, amen. That's why we shout. Voilà pourquoi nous crions. That's why we sing and voilà dance. Pourquoi nous chantons et nous dansons. Out of all he could have picked, parmi tous ceux qu'il aurait pu choisir, he picked me. Il m'a choisi. He chose me. Il m'a choisi. He called me. Il m'a appelé. So God needed actors for every age. Dans chaque âge. And we are blessed to be actors. Et nous sommes bénis d'être des acteurs dans cet acte final, le climax. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Those he chose in the early church ages, ceux qu'il a choisis dans les premiers âges de l'Église, who would die in his name, qui sont morts pour son nom, literally walk into vont marcher arenas, Irénée, and die for him. Et mort pour lui. But in this age, mais dans cet âge, he needed some people, il avait besoin d'un peuple that would live for him, qui vivrait pour lui, that would live like he lived, qui vivrait comme il a that vécu, would act like he act, qui agirait comme that il a was agi. A different kind of person, c'était un peuple différent, a different kind of anointing. Une sorte d'onction différente. Amen. This wouldn't be, this would not be, ce ne sera pas physical death, une mort physique. This would be, ce sera spiritual death, une mort spirituelle, to die out, pour mourir, to your ambitions, à vos ambitions, to your ideas, à vos idées, to your dreams, à vos espoirs, vos rêves, to your feelings, à vos sentiments, to your emotions, à vos émotions, to your resentments, à vos ressentiments. Hallelujah. Hallelujah. That takes a special kind of person. Et il fallait une sorte de gens spéciaux, to die to pride, pour payer, to die to jealousy, pour mourir à la envy, fierté, à l'orgueil de la vie, à la jalousie, to die to hurt feelings, mourir à leurs propres sentiments, to drop every heart, pour laisser déposer toutes les rancœurs. It takes a special person, young people, il faut des gens spéciaux, vous, to walk around the school, pour marcher à l'école, in this age, dans cet âge-ci, where every devil on earth, où tous les démons de la terre has inhabited, sont lâchés, relâchés, the people around you, les gens autour de vous, and to still not cave into temptation, to still not give into temptation, de ne pas s'abandonner, de ne pas céder à la tentation. That takes a special kind of person. Il faut des gens spéciaux. Amen. Amen. Those he chose for Luther's age, ceux qu'il a choisis dans l'âge de Luther, he could not choose for this age. Il n'aurait pas pu les choisir pour cet âge-ci. Because they needed to go past justification. Parce qu'ils devaient passer par la justification. Those he chose for Wesley's age. Ceux qu'il a choisis dans l'âge de Wesley, he couldn't choose for this age. Il n'aurait pas pu les choisir pour cet âge. They needed to manifest more than sanctification. Parce qu'ils devaient manifester la sanctification. Those he chose for Pentecost. Ceux qu'il a choisis dans l'âge pentecôtiste, he couldn't choose for this age. Il ne pouvait pas les choisir pour cet âge. He would send us the same Holy Ghost. Ils auraient... He would send the same Holy Ghost. Il devait envoyer le même Saint-Esprit that he sent down on Azusa Street. Qu'il a envoyé à Azusa Street. But he wanted more than a manifestation of gifts. Mais il voulait plus qu'une manifestation de dons. He wanted more than what they can give. Il voulait plus. He wanted the life of Christ. Il voulait la vie de Christ. To be expressed. Exprimé. So he had to choose some people. Donc il devait choisir certains. Who would be mature seeds. Qui seraient des semences word mûres. Seeds. Des semences paroles. Seventh under seeds. Des semences sept tonnerres. So when that Holy Spirit hits them. Donc lorsque le Saint-Esprit les voit.
touche, les frappe. Lorsque la dynamique descend, ça ne produira pas des bébés pentecôtistes, mais ça produira des fils manifestés, des filles manifestées. C'est ce à quoi nous attendons. Encore une fois, la dynamique descendra en remplissage. Alléluia. Et elle produira plus que des dons, plus qu'une bénédiction, plus qu'une sensation, mais elle produira la vie même de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. What is it? Qu'est-ce? The token of identification. Le signe de l'identification. Prêché en 1972. The token for the believer today is the Holy Ghost. Le signe pour le croyant aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Not of blood. Pas le sang. Not of chemistry. Pas un sang chimique. But it's the Holy Ghost. Mais le Saint-Esprit. The Holy Spirit of God. Le Saint-Esprit de Dieu. That is the token that God requires. C'est le signe que Dieu exige. For the church today. Pour l'Église aujourd'hui. Now the Pentecostals, maintenant les pentecôtistes, with the seed in them in the form of the baptism of the Holy Ghost, cannot produce that. Avec la semence en eux sous le signe du Saint-Esprit, n'ont pas pu produire cela. They only had gifts. Ils avaient juste les dons. So what did he do? Donc qu'a-t-il fait? He descended with the shout, the token. Il est descendu avec un cri, le signe. And gives it to you. Et il vous l'a donné. And tells you. Et il vous a dit. To come together. De vous rassembler. And apply. Et d'appliquer. Apply the token. Appliquer le signe. Is that what we're doing this weekend? Et c'est ce que nous faisons ce week-end. We're coming together. Nous nous rassemblons. To apply the seven thunder shout token. Pour appliquer le signe des sept tonnerres. To do what? Pour faire quoi? Produce the very life of Christ. Pour produire la vie même de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Let me give you an illustration. Laissez-moi vous donner une petite illustration. About David. Au sujet de David. Amen, Brother Brian says. Amen, Frère Branham dit. And on why little Bethlehem? Donc pourquoi petite Bethléem? 12/28/1958. En 58. And Jesse had eight boys. Et Isaïe avait un fils. And it was David's father Jesse. And it was a great prophet Samuel. Et le grand prophète Samuel. Who came with the cruse of the oil. Est venu avec la cruche d'huile. The great prophet who went to Jesse and said. Le grand prophète est allé vers Isaïe et a dit. God has chosen one of your boys to rule and serve my people. Dieu a choisi un de tes garçons pour régner et servir mon peuple. And it was out in the backside of the field. Et c'était là-bas à l'arrière du champ. In a little shepherd yard. Dans une petite bergerie. Where a little ruddy, scrawny-looking boy. Où un petit garçon frêle. Was brought. A été produit. David. A été emmené, David, the old to the youngest. Le plus jeune. And Samuel poured the anointing oil on him. Et Samuel a déversé l'huile d'onction sur lui. In the presence of all his brothers and them who stood about. Devant ses frères et sœurs qui étaient là. And proved et a prouvé that God had anointed him king. Que Dieu avait oint un roi. Amen. Amen. So David, ainsi donc David had seven brothers. Avait sept frères. And Jesse his father. Et Isaïe son père. Presented each of the seven brothers. A présenté chacun des sept frères. One by one. L'un après l'autre. The prophet Samuel had come to Jesse. Le prophète Samuel a dû aller vers Isaïe. And said, God. Il a dit Dieu. Is going to anoint one of your sons. Va oindre un de tes fils. And he will be. Et il sera. King of Israel. Roi d'Israël. So Jesse in his natural mind. Donc Isaïe dans sa pensée naturelle. Brought his older sons. A emmené son fils le plus âgé. Son meilleur fils. His stronger sons. Son fils le plus fort. And one by one, et l'un après l'autre, the prophet, they were brought before the prophet Samuel. Ils sont venus devant le prophète Samuel. And the prophet would say, et le prophète a dit, neither has the Lord, non. Neither has the Lord chosen this one. Le Seigneur, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Neither has the Lord chosen this one. L'Éternel n'a pas choisi celui-là. Keep them coming. Laisse-les venir encore. And after seven, et les sept sont passés. Do you have any more? As-tu d'autres fils? Do you, or hear all thy children? Voici tous mes enfants. And Jesse said, well, et Isaïe a dit, there's one more, oui, il y en a encore un, he's way on the back side mais of the il est là-bas, à l'arrière du watching the sheep. Dans le champ, et il, and Samuel said, il paie les brebis. Et Samuel well, a dit, bring that one, va le chercher celui-là. And until he comes here, et jusqu'à ce qu'il n'arrive ici, we're gonna stand here, nous resterons ici. We ain't going nowhere, nous n'irons nulle part. I'm gonna stand here, je vais rester ici. And all seven of these brothers are gonna stand here, et ces sept frères sont restés and you là. Go and get David. Et tu vas aller chercher David. Amen. Amen.
David was off keeping the sheep. David a été ramené. Off on the backside of the desert somewhere. Du désert, de l'arrière. Minding his own business. David faisait ses affaires dans le désert. Il faisait ses propres Amen affaires. Amen. Samuel said. Et Samuel a dit. Set and fetch him. Amenez-le. Or we will not sit down. Ou sinon nous ne partirons pas, nous ne nous assierons pas. Till he come hither. À moins qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il vienne. And he sent and brought him in. Et il leur a demandé de l'emmener. And there David stood before Samuel. Et lorsque David s'est tenu devant Samuel. And stood before Jesse. Et devant Isaïe. And stood before his seven brothers. Et devant ses sept frères. A little shepherd boy. Un petit berger là. But they didn't know. Mais ils ne savaient pas. This little shepherd boy. Que ce petit berger. Way off on the backside là-bas, of the field. Dans le champ. Had already slain a bear. Avait déjà tranché la gorge d'un ours, lion. D'un lion. They did not know. Ils ne savaient pas. But the Lord spoke to Samuel. Mais l'Éternel avait parlé à Samuel. And said, Arise. Il a dit, lève-toi. Anoint him. Oins-le. For this is he. Parce que c'est lui. Anoint him. Oins-le. Because I saved. Parce que je l'ai sauvé. J'ai sauvé. For last. Le meilleur pour la fin. None of the seven brothers. Pas les sept frères. Little David. Le petit David là. Off with his sheep. Qui s'occupe du troupeau. Off with his harp. Qui s'occupe du troupeau. Singing and singing songs and praying and worshiping qui, God. Qui loue, qui adore le Seigneur. With his sheep. Avec ses brebis. Way off the mainstream. Là-bas, complètement à côté. But he had an anointing on him. Mais il avait l'onction sur lui. And the God in Samuel. Et le Dieu de Samuel. Recognized the seed in David. A reconnu la semence dans David. Amen. Amen. Because God parce que Dieu was not looking ne regardait pas at David's person. À la personne de David. He didn't care how small he was. He didn't care how small he was. Il n'a pas fait attention à sa taille. Amen. The Bible says. La Bible dit. But the Lord said unto Samuel. Mais le Seigneur a dit à Samuel. Look not on his countenance. Ne regarde pas son apparence. Or on his height. Ou à sa taille. Or his stature. Ou à sa stature. Because I have refused him. Parce que je l'ai rejeté. For the Lord. Car the Lord seeth not as man seeth. Car le Seigneur, l'Éternel, ne regarde pas avec Because les yeux des hommes. Looketh. Parce que l'homme, les hommes regardent on the outward appearance. À l'apparence extérieure. How many people are in your church? Combien de personnes sont How dans many votre église? People came to your convention? Combien de personnes sont venues How à votre convention? Many countries do you stream to? Dans combien de pays vous How diffusez big is your ministry? Votre connexion? The Lord Le Seigneur is not concerned with that. N'est pas concerné par the Lord ça. Is looking on the inside. Il regarde à l'intérieur. For man looketh. Car les hommes regardent à l'apparence extérieure. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et l'Éternel regarde à votre cœur ce soir. Et ce qu'il voit, c'est une semence sept tonnerres qui a été plantée dans votre cœur. Et à cause de cette semence, vous pouvez couper la tête à des géants. Vous pouvez couper la tête à des géants. Because of that seed, à cause de cette semence, you will be king one day. Vous serez roi un jour. Kings and priests. Kings and priests. Roi et sacrificateur. That seed means cette semence God has chosen you signifie que Dieu vous a choisi avant world, la fondation du monde, before there was a heaven, avant qu'il y ait des cieux, before there was a earth, avant qu'il y ait une terre, in the back part of God's mind, dans la pensée arrière God de Dieu. Saw you, il vous a vu, not in Luther's age, pas dans l'âge de Luther, not in Wesley's age, pas dans l'âge de Wesley, not with the Pentecostals, pas dans l'âge des pentecôtistes. He saw you in the final age, il vous a vu dans l'âge final and he put a seed, et il a placé une semence, une semence sept tonnerres, that when it comes to perfection, afin de vous appeler à la perfection. Out will come faith. Out will come faith. Je viendrai avec la foi. Out will come virtue. Et je viendrai avec la vertu. When it comes to perfection, quand vous arriverez à la perfection, out will come knowledge, viendra la connaissance, out will come temperance, viendra la out tempérance, will come patience, viendra la patience. When your enemies talk against you, lorsque votre ennemi parlera contre vous, when you revile and curse, lorsque vous serez maudit, out will come brotherly kindness, l'affection fraternelle viendra. When you're at school, lorsque vous serez à l'école, and the devil tempts you, et que le diable vous tentera, out will come godliness, viendra la piété. Where you've been holding on, lorsque vous continuerez à day after day, vous, et vous vous accrocherez jour après jour, year,
année après année, for your deliverance, pour votre délivrance, for your healing, pour votre guérison, out will come patience, viendra la compassion. Until jusqu'à ce que you reflect, vous reflétiez the very life of Christ, la vie même de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oh, it feels good here tonight. On se sent bien ce soir. Amen. Ici, you may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Because of that seed in you, à cause de cette semence en vous, you have the promise. Vous avez une promesse. The promise of perfection. Vous avez une promesse de perfection. Amen. The promise of dynamics. Une promesse de dynamique. And with that promise, et avec cette promesse comes the power, vient la puissance of the promise, de la promesse. You hear what I'm saying? Vous entendez ce que je dis? Even before, avant même the dynamics fall, que la dynamique tombe, God has already given you, Dieu vous a déjà donné the power, la puissance of the promise, de la promesse. Virtue, la vertu, power for service, la vertu puissance pour le service. That's what has sustained us. Amen. Hallelujah. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. The last message I preached back home, I shared this with the church. Le dernier message que j'ai prêché à la maison, je l'ai partagé à l'église. Amen. One of the privileges I have. Et le privilège que j'avais, is I have access. C'est que j'avais accès to every note. À chaque note. That Brother Coleman ever written. Que Frère Coleman avait écrite. All of his messages. De tous ses messages. From way back in the early 60s until now. Depuis les années 60 jusqu'à maintenant. When we moved the house, but Joe was there. Et we just lorsque packed up box after box. Nous avons déménagé, nous avons mis tout ça dans les cartons, etc. Yeah, so it would take a lifetime. Donc ça prendrait une vie to go through that. Pour passer tout ça en revue. But Brother Coleman also would have, mais Frère Coleman avait aussi notebooks where he would write inspiration. Des notes, un carnet de notes où il écrivait l'inspiration qui l'emmenait vers des messages qu'il and conduisait it was a message he preached. Et il y a un message qu'il a prêché 2001, l'union de la mécanique et de la dynamique ensemble for virtue, power, for service. Pour la vertu puissance pour le service. Amen. And in his notes, et dans ses notes, and I didn't hear this on the tape, et on l'entend dans la bande, but in his notes, he mais wrote, dans ses notes, il écrit the promise of dynamics, la promesse de la dynamique releases the faith to the bride, libère la foi à l'épouse as virtue, power for service. Comme une vertu puissance pour le service. And that really blessed me. Et ça m'a vraiment béni. Think about what that means. Pensez à ce que cela signifie. Just preaching. Juste le prêcher. The promise of the dynamics, je prêchais la promesse de la dynamique. Releases, libère the faith, la foi for the dynamics. Pour la dynamique. Just preaching the promise, juste prêcher les promesses will give you the faith, vous donnera la foi to receive the promise. Pour recevoir les promesses. Virtue, la vertu, power for service. Puissance pour le service. So aren't you glad? Donc n'êtes-vous pas heureux? Amen. Amen. That you have a pastor, que vous avez un pasteur, like Brother Caleb, comme frère Caleb, like Brother Jeannot, comme frère Jeannot, like Brother Didier, comme frère Didier, like Brother Colin Branner, comme frère Colin Branner, like Brother Shu, comme frère Shu, and Brother Conte, frère Conte, and Brother Belomo, frère Belomo, and all these pastors, et tous ces pasteurs, that are preaching, ils ne prêchent pas the promise, les promesses of the power, de la puissance, of the dynamic. Ils prêchent les promesses de la puissance, de la dynamique. Hallelujah. Amen. When Brother Caleb, et frère Caleb read the quote this morning, a lu une citation ce matin. What shall I do with Jesus called the Christ? Bon, que ferais-je de ce Jésus appelé Christ? Amen. Amen. The dynamics of this church, la dynamique de cette église will be a refilling of the Holy Spirit, sera un réemplissage du Saint-Esprit. That we have worked in a small measure, ce sera une œuvre dans where the headstone is coming down to unite with the body, une œuvre dans une petite mesure jusqu'à ce que la pierre de fête descendra à s'unir avec le corps. This is the Holy Spirit. The dynamics is the Holy Spirit. Et la dynamique est le Saint-Esprit. And I was sitting back there, et j'étais assis là-bas. And I felt the Holy Spirit. Et j'ai senti le Saint-Esprit. La vertu, power for la vertu service, puissance pour le service, sweep through the building, passant sur le bâtiment. The sister was slain. A sister was slain. Une sœur a été tombée par terre. Off of the promise. Off of the promise. Sur la promesse. Of the power. De la puissance. Of the dynamics. De la dynamique. That's why we preach these quotes. Voilà pourquoi nous prêchons ces citations. Amen. All the great conventions we've had. Toutes les grandes conventions que nous avons eues. Down through the years. Pendant toutes ces années. All the way back to Macon, Georgia. Depuis Macon en Géorgie, Penn Harris, Fort Wayne, all the anointed services, tous les services oints, Wales, au Pays de Galles, Lake Champion, Lac Champion, what was taking place,
Qu'est-ce qui se passait? Amen. We were a people. Nous étions un peuple. That were not ashamed. Qui n'avait pas honte. To preach about the power. De prêcher la puissance. Of the dynamic. De la dynamique. And virtue. Et la vertu. Power for service. Puissance pour le service. Create a revival. A créé un réveil. After revival. Réveil après réveil. And if you believe that promise tonight, et si vous croyez cette promesse ce soir, that same virtue, cette même is flowing tonight. Vertu puissance the same coule young people, the same ce soir. Virtue, la même puissance, les jeunes, flow through Lake Champion, jeunes gens qui est, y a coulé Lake au lac Champion, à Lake Saranac, is here tonight est for ici you. Ce soir pour vous. Amen. We are like Amen. Simeon. Nous sommes comme Amen. Simeon. Simeon, you may be seated in the New Testament, dans le Nouveau Testament, was living under the power, vivait sous la puissance of the promise, des promesses, for many years, pendant plusieurs années, year after year, année après année. Saint Luke 2:25. Luc 2, 25. And behold, there was a man in Jerusalem, et voici, il y avait un homme à Jérusalem, whose name was Simeon, son nom était Simeon, and the same man was just and devout, et was just and devout, il était juste. Waiting for the consolation of Israel. Il attendait la consolation d'Israël. Il était dévoué. And the Holy Ghost was upon him. Et le Saint-Esprit. And it was revealed unto him by the Holy Ghost. Et il lui a été révélé par le Saint-Esprit. That he should not see death. Qu'il ne pourrait pas mourir. Before he had seen the Lord Christ. À moins de voir le Seigneur, à moins d'avoir vu le Seigneur. And he came by the Spirit into the temple. Et il est venu par l'Esprit dans le temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law. Et ses parents ont emmené l'enfant Jésus selon la coutume de la loi. Then he took him up in his arms and blessed God and said. Et il a pris ses mains, il a béni Dieu, il a dit. Lord, now lettest thou thy servant depart in peace. Seigneur, laisse maintenant ton serviteur partir en paix word, selon ta parole, for my eyes have seen the salvation. Car mes yeux ont vu le salut. So how many feel like Simeon Donc, tonight? Combien se sentent comme Simeon ce soir? Amen. Amen. The Holy Spirit le Saint-Esprit has revealed to you vous a révélé through his word, à travers sa parole that you will not see death que vous ne mourrez pas before you're part of. Avant a dynamic revival. De que vous fassiez partie d'un réveil de la dynamique. And how many babies? Et combien d'enfants, de bébés? Simeon see? Did Simeon see? Que combien d'enfants et combien de bébés Simeon a-t-il Simeon vu? Simeon hold in his hands? Que Simeon a tenu dans ses bras? Did Simeon bless? Et qu'il a béni? But all along. Mais tout le long. No, this is not the one. Non, celui-là. Baby from the wealthy families. Celui-ci n'est pas le bon. The powerful families. Un bébé d'une famille riche, d'une famille puissante. The royal families. Une famille royale. But this is not the one. Mais ce n'est pas le bon. And he refused to accept. Et il a refusé cela. Any substitute. Il a refusé tout substitut. Any false revival. Tout faux réveil. Any false manifestation. Toute fausse manifestation. He wanted the real thing. Il voulait la véritable I chose. Will wait here. Et nous allons attendre until I'm old and gray. Jusqu'à ce que but I will see the Christ. Mais je verrai le Christ before I die. Avant de mourir. How many feel like that? Combien se sentent ainsi? It's 2021. C'est 2021. I will stand here. Je me tiendrai là until the dynamic revival. Jusqu'au le réveil de la dynamique returns. Jusqu'à ce qu'il revienne. I will stand here. Je me tiendrai là until we'll be in a service like this service. We'll be at a service like this service. Jusqu'à ce que ce soit un service comme celui-ci. And the voice of the archangel. Et la voix de l'archange. Will take hold of the minister's vocal cords. Prendra le contrôle des cordes vocales du prédicateur. Et dans une the March 2nd anointing. L'onction de Marc 2. Ask what you will. Demande ce que tu veux. Will sweep through the building. Va balayer l'auditoire. And young people. Et jeunes gens. Will come screaming to the altar. Vont venir à l'autel pleurant. I will wait. J'attendrai. Until I see another lake champion. Jusqu'à ce que je vois un autre lac champion. I will stand right here. Je resterai là. Until love reaches down. Jusqu'à ce que l'amour descende. But I know. Mais je sais. But I know. Mais je sais. I feel like Simeon. Je me sens comme Simeon. I will not die. Je ne mourrai pas. Before this happens. Avant que cela n'arrive. How many feel that way? Comment se sent ainsi? Is that your testimony? Est-ce votre témoignage? Is that your testimony this Est-ce weekend? Votre témoignage ce week-end? I will not die before I see Je the ne mourrai pas à moins d'avoir vu le Christ. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm coming to my climax now. J'arrive à mon climax maintenant.
Amen, amen. Amen, amen. Simeon rested on the promise. Siméon s'est reposé sur la promesse. And that's what we've been doing. Et c'est ce que nous avons resting fait. On a dynamic promise. Nous nous sommes reposés sur la promesse virtue, de dynamique. Power for service. La vertu puissance pour le service. Has sustained us. Nous a gardé. Has kept us. Nous a supporté. Has held nous a soutenu. Nous but a gardé. For the fullness. Mais nous nous attendons à la plénitude of the dynamic. De la dynamique. What will it take? Qu'est-ce que cela fera? What do we want? What do we want? Que désirons-nous? A double portion. Une double portion. How many feel like Elisha? Combien se sentent comme Élisée? A double portion. Une double portion. On a message of second-handed robe. Dans un message, Brother Branham saying 1206, 1956. Frère Branham dit en 1956. And Elijah turned around. Il dit, et Élisée se tourne. The only thing that he wanted to know was he could ever get that promise. Élisée s'est tourné et la seule chose qu'il voulait c'était avoir cette promesse. That's all he wanted. C'est ce qu'il voulait, c'est tout ce qu'il voulait. And he said, "Now I'm going to ask you." Il a dit maintenant je vais te demander. What? Tell you what my desire is. Et je vais te dire ce que je désire. I want a double portion of your spirit. Je veux une double portion de ton esprit qu'elle vienne sur moi. What are you going to say? Que vas-tu dire? Elijah, the anointed prophet, turned around and said, Élie, le prophète oint s'est tourné et a dit, "Thou hast asked a hard thing, tu me demandes une chose difficile, but this will be given to you on a condition. Mais cela te sera accordé à une condition. So is the Holy Ghost given to you on a condition. Donc, le Saint-Esprit vous est donné à une condition. On condition, if you can meet the condition that is, et si vous pouvez... if you can meet the conditions, si vous pouvez rencontrer, remplir la condition, if you can see me while I go away, si tu me vois alors que je m'en vais, you'll have what you ask for. Tu auras ce que tu demandes. That's all Elisha wanted, c'est says, tout ce qu'Élie voulait. Was the promise. C'était la promesse. Élisée. Are you like Elisha tonight? Êtes-vous comme Élisée ce soir? Is that all you want? Est-ce que c'est tout ce que vous voulez? The promise. Tout ce que vous désirez, est-ce la promesse? Alléluia. What you have asked for. What you want. What you want. Ce que tu désires. Is a hard thing. Ce que tu demandes est une chose difficile. But nevertheless. Mais malgré tout. If you see him go. Si tu le vois partir. If you stay true to the word. Si vous restez fidèle à la parole jusqu'à la fin. If you believe. Si vous croyez. All that he said, tout ce qui a été dit, if you echo back, si vous faites un écho all of the word, de toute la parole, you shall have it. Vous l'aurez. Greater works, des plus grandes œuvres, a double portion, une double portion, because I go to my father, parce que je m'en vais à mon Père. You'll be able to ask, vous serez en mesure de demander what you will, ce que vous voulez, but you gotta stay true to the end. Mais vous devez rester fidèle jusqu'au bout. And God, et Dieu is gonna test you, va vous tester. Elijah. Élisée. Tested Elisha. Élie a testé Élisée. Satan. En disant. Satan also tested Elisha. Satan a aussi testé Élisée. Amen. Because God. Car Dieu. Wanted to see. Veut voir. If Elisha. Si Élisée. Was going to meet the conditions. Va rencontrer la condition. Va remplir la condition. Deux rois deux. Amen. I'm coming to a close. Second Kings 2. Et j'arrive à la fin. Which is it is illustrate Elijah and Elisha. Deux rois deux, c'est juste pour illustrer Élie. When they took that last great journey together. Et nous ferons ce dernier voyage ensemble. And Elijah said unto Elisha. Et Élisée dit à Élie. Tarry here, I pray thee. Reste ici, je te prie. For the Lord hath sent me to Bethel. Car l'Éternel m'envoie à Bethel. And Elijah said unto him. Et Élie lui dit. As the Lord liveth. And as thy soul liveth. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. I will not leave thee. Je ne te quitterai point. So they went down to Bethel. Donc ils poursuivirent tous de leur chemin jusqu'à Bethel. So Elijah. Ainsi Élisée. Tested Elisha. Élie a testé Élisée. To get to Bethel. Pour jusqu'à Bethel. Stay here. Reste là. I'm gonna go on. Je vais avancer. And Elisha said, no, 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 et Élisée a dit non, 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 non. The conditions are, la condition est I must see you go. Je dois te voir partir. So where you go, donc où tu vas, I'm gonna go. J'irai. If you keep walking, si tu marches, I'm gonna keep walking. Je vais continuer à marcher. I'm not gonna stay here, je ne vais pas rester ici at Bethel.
à Bethel, at justification, dans la justification. I'm gonna move on, je vais avancer with the word avec la parole that was in Elijah, qui était dans Élie. And then in verse 3, et au verset 3, and the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he said, yea, I know it. Hold ye your peace. Which verse, sorry. The second, the third verse. Second Kings 2, 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. So the second test, donc le deuxième test, the sons of the prophets, les fils des prophètes try to throw off Elisha, ont essayé de déstabiliser Élisée. Back in 1965, en 1965, you watched your prophet. Ils ont observé le prophète. Why do you keep going? Pourquoi est-ce que tu continues? The prophet may be gone, le prophète est parti, but the word is still here, mais la parole est ici, and I'm gonna follow the word, et je vais suivre la parole. I'm not gonna let go of that word. Je ne vais pas laisser cette parole partir. Oh, the apostle may be gone. Tous les pasteurs peuvent peut-être partir, but everything he echoed back, mais tout ce qu'il a donné en écho is still here, est toujours là, and I'm gonna keep echoing back, et je vais continuer à donner un what écho. Was echoed back. Continuer à donner écho. And then the fourth verse. Et au quatrième verset, and Elijah said unto him, Elisha, tarry here, et I pray thee, for the Lord has sent me to Jericho. And he said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. But once again, et encore une fois, une fois Elijah de plus, tried to leave him behind. Et Élie laisse. Try to leave him behind in Jericho. Il veut laisser Élisée à Jéricho. Try to shake him off. Il essaie de le secouer. But Elisha, mais Élisée could not be shaken, ne pouvait pas être secouée. Elisha, parce que Élie wanted a double portion. Élisée voulait une double portion. And the only way, et la seule manière. If you see me go, si tu me vois partir, so he's gonna stay to the end, c'est de rester jusqu'au bout. And then the sons of the prophets, alors les fils des prophètes at Jericho, à Jéricho, had the nerve, étaient nerveux. To once again challenge Elisha, ils voulaient encore une fois and say, you're gonna lose your prophet, défier Élisée et dire, tu vas, why don't you just leave him, perdre ton prophète, pourquoi and ne pas l'abandonner again, Elisha said, et Élisée dit, hold thy peace. Restez, taisez-vous, taisez-vous. J'ai une mission, j'ai une promesse, et je vais continuer dans la puissance de la promesse. Et Élisée lui dit, encore, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il alla au Jourdain. Et il dit, et il dit, as the Lord liveth, this is Elisha answering back, ça c'est Élisée qui répond, and as thy soul liveth, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. I will not leave you at Jordan. Je ne te quitterai point au if Jourdain. You're cross Jordan, si tu traverses le Jourdain, I'm gonna cross Jordan. Je traverserai le Jourdain. Jordan represents death. Le Jourdain représente la mort. I'm gonna die out. Je vais mourir. And I'm gonna cross Jordan. Et je vais traverser le Jourdain. I'm not gonna be left behind. Je ne resterai pas en arrière. Do you believe that? Le croyez-vous? Do you feel like Elisha? Sentez-vous comme Élisée? Why? Pourquoi? Because Elisha, parce qu'Élisée had tasted the anointing, avait touché à l'onction. God told Elijah, Dieu avait dit à Élisée, to go down to Elisha's city, Dieu avait dit à Élie d'aller à la ville d'Élisée, and put the mantle on Elisha, et mettre le manteau sur Élisée. And Elisha tasted that anointing. Et Élisée avait senti cette onction. God had told Elisha, Dieu avait dit à Élisée. And it was nothing, et il n'y avait rien that was going to substitute, qui remplacerait for the anointing, l'onction that Elisha felt, qu'Élisée avait senti. Brother Coleman says, Frère Coleman dit, that when he went to the Brother Branham's meetings, lorsqu'il est allé aux réunions de Frère Branham, and he tasted that anointing, et qu'il a goûté à cette onction, there was nothing, il n'y avait rien that was going to stop him, qui l'arrêterait for seeking,
de chercher jour et nuit pour avoir une double portion de ce que le prophète avait. N'essayez pas aucune tribulation, aucune épreuve. Et ceux d'entre vous qui ont eu le privilège de vivre pendant ces 40 dernières années, amen, frère Freddy, sous le ministère, le ministère apostolique, et qui ont goûté à cela, à Macon en Géorgie, qui ont goûté à cela, Marc 2, qui ont goûté le réveil de 83, qui ont goûté le réveil de 93, alors nous savons que nous ne prendrons aucun substitut. Nous voulons ce manteau. Nous voulons cette double portion. Amen. Je vais lire une citation. Mais frère Branham dit, je ne vais pas lire la citation, frère Coleman dit, Marc 2, Dieu a laissé tomber sa robe. Il a laissé tomber son manteau pour donner un avant-goût de la dynamique, de la double portion. Amen. But God pulled it back. Mais Dieu l'a repris. But in this season, mais dans cette saison, he's gonna dip it down again. Il va le laisser tomber à nouveau. But he's not pulling it back. Mais il ne le reprendra he's pas. Gonna lay it down. Il va le laisser. And it's up to somebody. Et ça, c'est la responsabilité some brother, some sister, some minister, de quelqu'un, de frère, sœur, d'un prédicateur. Somebody quelqu'un to pick that mantle up doit prendre ce manteau and put that mantle on. Et mettre ce manteau maintenant. Oh, amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me just, you may be seated. Vous pouvez vous asseoir. On a message, witnesses. Dans un message. Brother Brian says, and Elijah turned around and said, témoin, frère Branham dit, Élie se tourne et dit, now you tarry here, maintenant reste ici, for God is sending me to Jordan. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Three places. Trois lieux. Justification. La justification. Gilgal. Gilgal. Yeah. Stay here. Reste ici. At justification. Dans la justification. And Elijah said, no, no, no. Et Élisée a dit non, non, non. Sanctification. La sanctification. The school of the prophet. L'école des prophètes. And the baptism of the Holy Ghost. Et le baptême du Saint-Esprit. At Jordan. Au Jourdain. Where Jordan represents death. Où le Jourdain représente la mort. Notice. Remarquez. Martin Luther. Martin Luther, John Wesley, Pentecost, les Pentecôtistes, down to the Jordan, jusqu'au Jourdain, dying out time, sont morts. Amen. Amen. So there was Elisha. Donc là était Élisée. Amen. He came down to the Jordan. Il est arrivé au Jourdain. And all the way down at the Jordan. Et là au Jourdain, Elijah asked him one more time. Et Élie lui a demandé encore une fois, what do you want? Que désires-tu? You persevered all this way. Tu as persévéré tout le long. You wouldn't listen to the sons of the prophets. Tu as traversé les fils des prophètes. To the doubters. Tous les doutes, tous les douteurs, les sceptiques. Mais tu es resté avec moi. Tu es resté avec la parole. Tu es resté avec l'inspiration. So what do you want? Que désires-tu? Amen. Amen. If you stay to the end, si vous restez jusqu'au bout, good things happen. Des bonnes choses arrivent. Church, those believers, ces croyants that stayed with Jesus, dans l'église primitive qui sont restés avec Jésus ministry, jusqu'à son ministère de résurrection that were not shaken, n'ont pas tremblé when Jesus was crucified, lorsque Jésus a été crucifié but were part of his resurrection ministry, mais une partie de son ministère de those résurrection believers, ces croyants-là who saw him go once again, qui l'ont vu monter Jesus gave him a promise, Jésus leur a donné une promesse en Luc 24. And behold, I send the promise of my Father upon you. Voici, j'envoie la promesse de mon Père sur vous. But tarry ye in the city of Jerusalem, et restez là dans la ville de Jérusalem until you be endued with power on high, jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. And God has given each of you a promise, et Dieu vous a donné une promesse. Go ye to Jerusalem, restez, allez Jérusalem, and tarry, et restez là. And that's what we're doing. Et c'est ce que nous faisons. Amen. Amen. What's the last thing that Elisha did? Et quelle est la dernière chose que before picking up the mantle? Et Élie a fait avant de prendre le manteau. He took his old robe. Il a pris sa vieille robe. He took his old clothes. Il a pris ses vieux vêtements. His old ideas. Qu'est-ce que Élisée a fait? His il a pris ses vieilles
idées, ses vieilles conceptions, his ministry, son ministère, his works, ses œuvres, his good self, son bon moi. He took that, il a pris cela and he tore it up. Et il l'a mis ensemble, il l'a déchiré. God does not want that. Car Dieu ne désire pas cela. He wants none of us. Dieu ne veut rien de cela, rien he de nous us to die et tout de lui. Il veut que nous mourions everything à toute chose. And that was the last thing that he did. Et la dernière chose qu'il a faite, ils étaient là au Jourdain. He took off his robe. Il a enlevé ses vêtements. Amen. Amen. The musicians can come, please. Musiciens, si vous pouvez vous avancer. And my final quote here, et ma dernière citation ici. Priest had a message, Brother Coleman preached 324 in 1974. Trois sortes de croyants. The ministry of the morning star. Le ministère de l'étoile du matin. And Brother Coleman says, I was speaking how Elisha went to get Elijah. Elijah went to get Elisha. Il dit, je vais parler de comment Élie est allé vers Élisée. He came to call him out. Il est venu l'appeler. For God had opened the seal of life to Elijah. Car Dieu avait ouvert le sceau de la vie pour Élisée. And God had told Elijah. Et Dieu avait ouvert le sceau de la vie à Élie et Dieu dit à Élie, I got 7,000 hid under the seal of life. J'ai 7,000 cachés sous le sceau de la vie. That have not kissed Baal. Qui n'ont pas embrassé Baal. And I'm going to send you on down to one of them right now. Et je vais t'envoyer vers eux maintenant. Elisha. Et vers l'un d'entre eux, Élisée. And he went to get him. Et il est allé le chercher. That's the type. C'est le type. And the same spirit of Elijah. Et le même esprit d'Élie. Came down in Laodicea. Est descendu dans Laodicée. To get you. Pour vous choisir. And me. Et moi. Elisha. Et Élisée. That's, we are a type of Elijah. Nous sommes un type d'Élisée. And then as the Elijah in type came to get Elisha, et alors cet Élie en type est venu chercher Élisée. He took his mantle, il a pris son manteau and he flung it over Elisha, et il l'a jeté sur Élisée. And Elisha tasted that power. Et Élisée a goûté à cette puissance. Amen. Amen. What happened to Elisha? Qu'est-ce qui est arrivé à Élisée lorsqu'il a goûté à cette puissance? Les yeux d'Élisée ont été oints. C'est toujours la citation, hein? Les yeux d'Élisée ont été oints. Que cet homme était un prophète. His eyes were anointed. Ses yeux ont été oints. That man was a prophet. Que cet homme était un prophète. And he was gonna follow him. Et qu'il le suivrait. He said, as thy soul liveth. Il a dit, ton âme est vivante. I'm not going to leave you. Je ne te quitterai point. Until I get that blessing. Jusqu'à ce que je reçoive cette bénédiction. For Elijah had heard that Elijah had opened up the seals on Mount Carmel. Car Élisée avait entendu que Élie avait ouvert les sceaux au Mont Carmel. He said, I have heard of thee by the hearing of thy ear. Il a dit, j'ai entendu cela par l'entendement par mes oreilles. But now I see thee. Et maintenant je te vois. So therefore he was persuaded. Ainsi donc il était persuadé. That no matter what. Que peu importe. He was not going to leave him. Il ne le quitterait point. Because Elijah told Elisha. Parce que Élie avait dit à Élisée. Stay here. Reste ici. But Elisha had a vision. Mais Élisée avait une vision. He couldn't stay in his own church. Il ne pouvait pas rester dans son église. He had to come out. Il devait sortir. Then Elijah came to test him. Cet Élie est venu le tester. He took him to Gilgal. Il l'a emmené à Gilgal. Stay here. Reste ici. He said, that ain't good enough for me. Il a dit, ce n'est pas assez bon pour moi. Because there's a promise connected to it. Parce qu'il y a une promesse connectée à cela. Gilgal will never satisfy you. Gilgal ne vous satisfera jamais. Because there's a dynamic promise. Parce qu'il y a une promesse de dynamique. That's connected to Elijah. Connectée à Élie. And that's what you want. Et c'est ce que vous désirez. Your double portion. Votre double portion. Amen. Amen. And I'm going to get it. And he said, this boy seems, and Elijah's thinking, he said, this boy seems to be an eagle. Et Élie dit, ce jeune homme est un aigle. But I'm still going to test him some more. Mais je vais encore le tester. So he took him to Bethel. Donc il l'a emmené à Bethel. The house of God. La maison de l'Éternel. Sanctification. La sanctification. He said, stay here. Il a dit, reste ici. This is the message right here. C'est le message ici. He's all right. C'est bien. But listen. Mais écoute. Something deep down inside of Elisha. Quelque chose à l'intérieur d'Élisée savait. That it was just more than getting baptized. Que c'était plus qu'être baptisé. More than knowing he was a prophet. C'était plus que de savoir qu'il était un prophète. There was something on the inside. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Crying out for it deep. Qui criait
qui soupirait. C'était plus qu'être dans une église de message. C'était plus que d'être dans l'inspiration. C'était plus que de venir à une convention. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui soupirait pour plus, qui soupirait pour la vie, qui soupirait pour la vie originelle, qui soupirait pour cet esprit originel. C'est cet esprit à l'intérieur de vous, cette semence du Saint-Esprit soupire une profondeur d'appel. Je ne peux pas rester à Gilgal. Je ne peux pas rester à Bethel. Je ne peux pas rester autour du Jourdain. Je dois traverser. Je dois continuer d'avancer. Je dois suivre la parole jusqu'à la fin. Amen. You want something more. Vous voulez plus que l'onction que vous sentez maintenant. C'est la profondeur qui appelle. And it's calling you. La profondeur, elle vous appelle. Et cela doit être. Le prophète dit, cela doit être. Une profondeur qui répond. La dynamique qui répond. Amen. God will not promise you. Et Dieu vous a promis. The dynamics. La dynamique. If he wasn't going to give it to you. Si vous le donne. And the very act. L'acte of wanting the Holy Ghost de le fait de demander le Saint-Esprit prouve que vous le receviez. Quelqu'un d'autre ne le veut peut-être pas. Quelqu'un ne crie peut-être pas pour cela. Frère Coleman continue et dit, il n'était pas satisfait. Il devait avoir ce qu'il avait semé, ce qu'il avait vu. Il savait qu'il y avait une possibilité. Et ce soir, il y a une possibilité. Il a osé dire qu'il pouvait avoir le même manteau, le même Saint-Esprit, la même colonne de feu. So he was an oddball. Donc il était plein d'audace. Because he felt he could have that. Parce qu'il pensait qu'il pouvait avoir cela. He was an oddball. Il était plein d'audace. He wanted more of God. Il voulait plus de Dieu. He wasn't satisfied. Il n'était pas satisfait. With the revelation. Avec la révélation. He wanted the manifestation. Il voulait la manifestation. Amen. Amen. Then the prophet of God took him on down to Jericho. Et le prophète de Dieu l'a pris là à Jéricho. And then the baptism of the Holy Ghost. Et alors le baptême du Saint-Esprit. Which is a type. Qui est un type. But also it represents. Mais qui représente également. The school of the prophets. L'école des prophètes. They were there. Ils étaient là. And if you notice. Et si vous remarquez. From Bethel to Jordan. De Bethel au Jourdain. That they had organized. Ils se sont organisés. By the time they went from Bethel. Du temps où il est passé de Bethel to Jordan. Au Jourdain. The prophets had organized. Ils se sont organisés. They were waiting for him at Jordan. Les prophètes et ils l'attendaient au Jourdain. We couldn't stop you at Bethel. Nous n'avons pas so pu l'arrêter now. À Bethel. Alors on va s'organiser. And we're going to try to talk you out of your promise. Et ils vont essayer de vous faire sortir de votre promesse. One more time. Encore une fois. But it wasn't going to work against Elijah. Mais ça ne marchera pas contre Élisée. Amen. There were 50 of them now. Il y avait 50 d'entre eux maintenant. A nice organization. Une belle organisation. So Elisha, he said, ainsi Élisée a dit, I'm not going to stay here. Je no. ne vais pas rester ici, non. I'm not going to stay in no denomination. Je ne vais rester dans aucune dénomination. I'm going on. Je vais avancer. Amen. Amen. And then the denominated opinions. Et alors les dénominations, religious interpretations of the les interprétations religieuses, les pensées dénominationnelles se sont organisées. The inspiration l'inspiration begins to organize. A commencé à s'organiser. But God has some Elishas. Mais Dieu a des Élisées no qui ne veulent aucune organisation, no hierarchy, qui ne veulent aucune hiérarchie, no qui ne veulent aucune structure. Qui is an individual affair. Que c'est une affaire individuelle. It's Elisha. C'est Élisée. Is a type of you. Qui est un type de vous. Not a type of a minister. Pas le type d'un ministère. Not a type of the five-fold ministry. Pas le type d'un quintuple ministère. But a type of the bride. Mais le type de l'épouse. You. Vous. You. Vous. You must pick up the mantle. Vous devez prendre le manteau. You must die out. Vous devez mourir. You must tear up vous your robe. Devez prendre votre you robe. Must cross Jordan. Vous devez traverser It's le Jourdain. A group of individuals. C'est un groupe d'individus. Not an organization. Pas une organisation. God's
calling you, si Dieu vous a appelé, God placed the mantle. Dieu a placé le manteau. Elijah placed the mantle upon you. Élie a placé le manteau you sur vous. This anointed. Prenez l'onction. Vous avez goûté you à l'onction. Vous avez reçu les promesses. And now you're down at Jordan. Et maintenant, vous Elijah êtes au Jourdain. Élie est sur He's le point de rentrer à la maison. Il est sur le point de laisser tomber ce manteau. Et il cherche quelqu'un quelque part pour prendre ce manteau. Pour prendre ce manteau ce week-end. Pour prendre ce manteau. Pour prendre ce manteau. Et aller frapper le Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Où est ce Dieu ce week-end? Où est ce Dieu? Où est le Dieu de Lac Champion? Où est le Dieu d'Harrisburg? Où est le Dieu qui était avec Malachi 4? Où est cette onction? Donne-moi cette onction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu m'a dit de venir ici parce que vous êtes au Jourdain en tant qu'individu. Et vous allez prendre le manteau qui se tient là ce week-end. Cette onction est là ce week-end. Prenez-le. Prenez-la. Alléluia. Alléluia. Amen. Just one more quote. Oh, une citation. Unanointed and commissioned. Dans un et commissionné. You must know in your heart. Vous devez savoir dans votre cœur. That he doesn't have to come back again. Qu'il ne doit pas revenir à nouveau. To do his works all over. Pour faire ses œuvres you encore. You must know positively. Vous devez savoir positivement. That he left. Qu'il est parti. You must know positively. Vous devez savoir positivement. That he dropped the mantle. Qu'il a laissé tomber le manteau. All seven sails of it. Tous ces sept sauts, chaque promesse de cela, et vous êtes enveloppé dans cette robe, la même robe que Malachi 4 avait, la même robe qui a été donnée en écho, vous êtes enveloppé dans le manteau, c'est là à l'extérieur, et le sang à l'intérieur, c'est la robe pure d'Élie, et c'est chaque promesse jusqu'à la nouvelle ville. Chaque promesse jusqu'à la nouvelle ville est dans cette robe. Et ce manteau est là. 1500 square miles this way and that way. 15 000 miles d'un côté et de l'autre. The new city. La nouvelle ville. He already revealed every mystery. Il a déjà révélé tous les mystères. Every mystery. Chaque mystère. And you're wrapped in the mystery. Et vous êtes enveloppé dans les that mystères will come forth in this season. Qui viendront dans cette saison. And it's a seed. Et c'est une semence. Because it's a seed. Parce que c'est une semence. And you keep walking. Et vous continuez à avancer. You keep walking. Vous continuez à avancer. You keep walking past Gilgal. Vous continuez à passer Gilgal. You keep walking past Bethel. Vous continuez à passer Bethel. And you keep walking across Jordan. Vous continuez à traverser le Jourdain. And then you see him go. Et alors vous le voyez partir. You reveal, you see every mystery. Vous voyez chaque mystère. Every mystery revealed. Chaque mystère révélé. No more mystery. Plus de mystère. You take that robe. Vous prenez ce manteau. You pick that robe up. Vous prenez ce manteau. You put that robe on. Vous vous enveloppez de and you keep cela. Walking. Et vous continuez à avancer. And you walk down the Jordan. Et vous traversez le Jourdain. And you take that robe. Et vous prenez ce manteau. And you strike Jordan. Et vous frappez le Jourdain. One more time. Encore une fois. And you say, et vous dites, where is the Lord God of Elijah? Où est le Dieu, l'Éternel d'Élie? Alléluia. Lord, you call me,
tu m'as appelé des ténèbres vers cette merveilleuse lumière. Oh, adorez-le. Tu m'as appelé des ténèbres à cette merveilleuse lumière. Je loue ton nom. Oui, je loue ton nom. Oh, le Saint-Esprit est ici. Entrez simplement. Tu vas me remplir. Alors je loue ton saint nom. Dieu, amen. Chaque tête baissée, chaque œil fermé. Continuez à jouer doucement. Vous savez que le Saint-Esprit est ici. Et la manifestation du Saint-Esprit, que dit le prophète, c'est cet ange ramenant le peuple dans la condition d'Éden. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, Père céleste, as we feel this awesome presence, alors que nous sentons cette auguste présence, every hand raised, chaque main levée. Oh. Oh. Father. Père. I'm waiting on you, Lord. Je m'attends à toi, Seigneur. Lord Jesus.
Seigneur Jésus. Should I close, Lord? Est-ce que je devrais terminer? Just talk to him. Oh, parlez-lui. Every young person. Chaque jeune. Lift up your hands. Levez votre main. I don't care what you've been going through. Peu m'importe ce que vous avez traversé. The devil is a liar. Le diable est un menteur. He called you out of darkness. Il vous a appelé hors des ténèbres. He saved the best for last. Recevez le meilleur pour la fin. You are one of those. Vous êtes l'un d'entre eux that he called. Qu'il a choisi. And them that he called. Et ceux qu'il a choisis, he justified. Il les a justifiés. Them that he justified. Et ceux qu'il a justifiés, he already glorified. Il les a déjà glorifiés. There's nothing against you. Il n'y a rien contre vous. Hallelujah. I praise your holy name. Hallelujah. I praise your holy name. For you called me out of darkness to this great and marvelous light. So for you called me out of darkness to this great and marvelous light. Every head bowed. Chaque tête baissée. As we close in a word of prayer. Alors que nous terminons par un mot de prière. Father, we thank you, Lord, Père, nous te remercions, Seigneur, for the message that we have heard today. Pour le message que nous avons entendu aujourd'hui. We thank you for your servant, Brother Jonathan, nous te remercions pour ton serviteur, Frère Jonathan, to yield himself to the Holy Spirit. De s'être abandonné au Saint-Esprit. Lord, to know that, Lord, you chose, Père, de savoir que tu as choisi the best for last, le Lord, meilleur pour la fin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. When everyone else has counted us out, Lord God. Lorsque tous les autres, Lord, at that time you ont abandonné, Seigneur. Wash us in, Lord God. Seigneur, en ce temps. So Lord God, we pray that you touch your servant this evening. Nous prions que tu touches ton serviteur ce soir. Bless your people. Bénis ton peuple. Give them strength this evening. Donne-leur, renouvelle leur force ce soir. Bless our fellowships together. Bénis notre communion ensemble. Bring us back tomorrow morning. Et ramène-nous demain matin. For another blast from heaven. Pour un autre jet du ciel, un autre. We ask and pray these things in the name of the Lord. Une autre bénédiction. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. We just have a few announcements. Juste quelques annonces. First announcement. Une première annonce. Upon dismissal, please proceed to the restaurant and take your seat. Juste après la sortie, allez-y directement au restaurant. The tables are marked in chronological order. Et prenez place, les tables sont marquées chronologiquement. So please wait to be directed by the ushers in terms of who will be serving. Served. Donc attendez d'être dirigé par les huissiers pour savoir qui va être servi en premier. We also want to maintain order in a manner. Et nous voulons aussi maintenir un certain ordre when we partake of the buffet. Lorsque nous allons au buffet. So we just want to just make sure the line keeps moving. Donc nous voulons nous assurer que la file d'attente avance. And,
Also there, those who are going to be singing special songs. Et aussi ceux qui seront chanteront un chant spécial. Are requested to return to the sanctuary for practice, I guess, after the meal. Je pense après le repas, prière de revenir dans le sanctuaire. After the meal. Après le repas. May the Lord richly bless you. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. As we go from here. Amen. Alors que nous sortons d'ici. Let's sing that song. Chantons ce chant. Through it all. À travers tout cela. Through it all. Through it all. I have learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God.